Hey, bonjour à toutes et à tous, vous allez bien? Moi ça va, ça va. Et passez une bonne soirée, moi aussi, c'était tranquille, hein. Petit match, petit Koh-Lanta, c'était cool, voilà. Installez-vous bien, on est parti pour une nouvelle après-midi ensemble sur FM24, toujours avec le FC Osaka, Ohio, saison 2, J2, peut-être la J1. Ah, mais ça, on va le savoir aujourd'hui, après avoir terminé déjà la saison. Il nous reste pas beaucoup de matchs, hein, évidemment. Je regarde rapidement. Il nous reste au bas mot 4 matchs officiels à jouer. Sauf qu'il y a une grosse trêve. Hier, on était scotché de voir ça. Qu'il y a une trêve de 42 jours entre les derniers matchs qu'on fait officiels et les 4 derniers qui restent à faire. Pourquoi? Ben, je sais pas. Hein, ça, surprise, hein, évidemment. Donc, ça sera le programme du jour. Terminer la saison tranquillement. Ensemble. Bon, n'hésitez pas à faire un tour sur les réseaux comme d'habitude, tout est là évidemment. Le chat si vous souhaitez parler de vos parties, voilà, même un petit bonjour, n'importe quoi. Tout est là évidemment pour passer un bon moment ensemble. Bon, d'abord la soirée, bon, moi elle était sympa, hein. Regardez donc ce match aller de quart de finale de Ligue des Champions féminines entre Lyon, enfin Benfica et Lyon. C'était mal barré le départ, beaucoup de déchets, j'avais l'impression. Je sais pas, ça pouvait faire match nul. Bizarre, bon, elles prennent un but. Mais par contre, elles sont très vite réagies et finissent par gagner le match, hein, évidemment. C'est très bien, bravo, évidemment. Et puis, ben, le match suivant, aujourd'hui, ben, il n'y en a qu'un seul, hein, d'intéressant. C'est l'autre quart de finale, c'est le PSG, cette fois, qui affronte, je sais plus, je crois que c'est Chelsea qu'elles affrontent, il me semble. Non, perdu. Aachen. Aachen, c'est. Attends, c'est quoi, c'est Dallas? Aachen. Aachen. Foot. Aachen foot. Non, Suède. Ok, Dakodak, pardon. Bah, c'est cool. C'est cool. Bah, après, bon, il paraît quand même que c'est une équipe assez chiante, donc quand même, il faudra faire le boulot. Mais bon, on verra ça. C'est à 18h45 hein, pour les gens que ça intéresse, évidemment. Mais après, sinon, bah, pas grand-chose. Soirée tranquille, évidemment, on est dans la trêve internationale. Nous, on est censé l'équipe de France affronter évidemment l'Allemagne et le Chili, des matchs qui comptent pour du beurre. Voilà, c'est pour, on va dire, il peaufine les derniers réglages. Bon, il a dû faire quelques changements, mais on sait très bien que c'est pas quelqu'un qui change au dernier moment. Il a déjà ses plans depuis un an. Il arrive des choses. Hop, il met son. Voilà. C'est déjà dans sa tête depuis un bon moment. Donc voilà, c'est juste parce que bon bah il faut bien avoir une liste complète pour affronter les deux équipes. Ça y est, des matchs sympas, les résultats on s'en fout. Bon, évidemment, moi compétiteur, j'aimerais bien qu'on gagne les deux, surtout l'Allemagne, hein, n'est-ce pas? Mais bon, voilà, c'est pour. On va dire plus pour le fun, c'est les matchs qui comptent pour du bas. Bref, en attendant tout cela, nous aujourd'hui on va s'amuser ensemble. En ce petit mercredi tranquille, j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble, hein, évidemment. Qu'on va pas trop s'énerver, hein, j'espère quand même, ça serait dommage, il reste 4 matchs. On va voir, hein. Mais d'abord, il y a une longue trêve à passer. Voilà. Allez, vous êtes prêts? Ouais. Bon, bah allez, on y va. Hein. Let's go, c'est parti les amis, comme dirait l'autre. Alors. Ouais, bon, j'avais mis en place hier quelques matchs, hein, 5, hein, du coup, pour combler un par semaine, hein, vous inquiétez pas, un par semaine pour combler le truc. Donc voilà, hein, on a une grosse trêve à faire. Bon, ben on y va, hein, let's go, hein, faut y aller, hein, quand il faut y aller, faut y aller. Popom. Ah, bah c'est très bien, Maître Miyagi, c'est très bien, ça me permet de remettre. Sato à sa place, qui est quand même plus fort que Maître Miyagi, hein, évidemment. On peut remettre notre gardien habituel et remettre toute la petite clique sur le banc, même les blessés, on s'en fout. Voilà, hein. Et lui, normalement, il doit retourner dans son équipe. Voilà, parfait. Eh ben, allons-y, hein. On n'a plus qu'à avancer, hein. Va falloir combler. On n'a pas trop le choix, hein. C'est quand même bizarre, hein, une trêve de 42 jours. Enfin bref. Alors sinon, les petites news vite fait. Je pense que comme tous les possesseurs d'NVIDIA, il y a une match qui est apparue ce matin. Je l'ai faite sans problème, pas de souci. Bon. Je sais pas, est-ce que c'est à chaque fois l'effet mise à jour? Je sais pas. J'ai l'impression que tout est plus.
Enfin, les trucs qui étaient un petit peu bizarres, machin, et plus fluides. Je sais pas, après, hein, ça peut être psychologique, évidemment. Bref, alors, pourquoi 3 mois et c'est qui ça déjà? Ah, c'est dans la réserve. Bon, on s'en bat les noisettes. Poup, poup, poup. Appelé en équipe U20, bah c'est très bien, bonne chance à lui. Il s'amuse bien. De toute façon, on n'a pas grand-chose à faire, nous. Allez, premier match amical, c'est passé 4-2, parfait. On poursuit. Ils ont changé de coach, Sendai. Bon, la réserve, je sais pas. La réserve qui s'amuse. Allez, deuxième match amical. Bien. 6-0. Bon, ça c'est moins bien. Voilà. Ah. Mais bon, c'est déjà un peu plus 7, hein. Faut bien combler l'espace. Terrible. Tout ce qui arrive. Pour s'en empêcher. Pam 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 pam. Faut se calmer un peu, non, mais n'importe quoi, hein. Des blessures, mais what the fuck, hein. Ah, sinon, j'ai sauvé une abeille tout à l'heure. Bah, t'es quand même assez joufflu, hein. Punaise, elles ont bien bouffé cet hiver. Au moins, t'es comme ça, le machin. Marcher par terre avec le nez du chien dessus, je suis oula, vite. J'ai bien fait, bon, après. Très coopérative, hein. Je lui ai présenté une. Bon, parce que normalement on a une tape à mouche, hein, mais il me fallait un transport pour pouvoir la transporter. Du coup, je lui présente par terre la tape, elle marche dessus, elle monte. Et je l'ai amenée dehors, tranquille. Bon, elle voulait plus descendre du machin, je suis obligé de lui souffler au cul pour qu'elle avance. Elle voulait plus descendre. Elle a trouvé le transport, le taxi confortable. M'en fous. C'est un remplaçant. Ah là là, c'est ma faute. Terrible. Scrogneugneux. Voilà, c'était la bonne action du jour. Ok, allez, 5-0, parfait.
Il fallait quand même que je surveille parce qu'ils m'ont quand même pas déjà. Non, ça va, pour l'instant ils ont l'air d'être un peu occupés ailleurs, tant mieux. Papapipapam, et match suivant. Le Suzuka. Bah dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah ouais. Même dans les matchs amicaux, Tonton FM il s'en mêle. Hein. Même des matchs amicaux des fois. Hein, c'est triste hein, quand même. Pourquoi? Je sais pas. Hein. Si je fais exprès de prendre des clubs vraiment pourris, donc c'est que vraiment il le fait exprès. Hein. C'est grave. Mais bon, tant pis. Hein. Incroyable, même dans les matchs amicaux, il a vraiment aucune limite. Petit contrat pro. Parfait. Pain, pala, pain. Ah là là, ce moment mou, hein. C'est vraiment mou. Hein. Comment pas 40 jours de pause entre les matchs là, j'ai pas compris. Allez, match suivant. Bon, ça va, on se reprend, 6-1. Ça va encore tomber. Il a l'air de bien s'amuser, le sapin. La lutte pour la montée bat son plein. Ah, ça y est, alors on est 4. 4 pour 2 places directes. Donc il y a nous-mêmes, Yokohama FC pour remonter direct en première division, les Nagasaki et les Mashida Zelvia. Bon.
On a un affrontement direct dans les 4 derniers matchs. En plus, c'est la dernière journée hein, face au Yokohama FC. Et sinon, après, bah, on a, nous, on a Toshigi quand même dans le fond du classement. Shiba, fond du classement. Akita, fond du classement. Normalement, on a quand même le... Bah, on a tous, sauf les Elvia, un calendrier avantageux, sauf la dernière journée, puisqu'il y a une dernière confrontation. Nagasaki, ils affrontent quand même un prétendant au barrage. Et par contre, Zelvia, c'est assez, c'est mieux de tableau. Vraiment, par 1, c'est vraiment du mieux de tableau, c'est les matchs pièges. Bon. Ok. Eh ben, on va voir ça, les enfants. Non, ça je le fais jamais. Même si ça s'est amélioré, hein, mais bon, il n'y a pas vraiment besoin. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Ah, putain, j'avais même pas fait gaffe, ça y est, on a déjà passé les 40 jours. Putain, j'avais même pas... Eh, j'ai pas tilt, hein. Jusqu'au machin. Je me dis, tiens, c'est bizarre, normalement les matchs amicaux je les joue pas, comment ça se fait? Bah c'est normal, c'est un match officiel, couillon. Non, mais c'est pas grave, hein. Non, mais c'est pas grave. Voilà, hein, écoute. Hein. Ah, bon, voilà, eh. Retour de Kuroki. Non, Taniguchi, il a vraiment perdu. Hein. Bon, on va mettre lui. Lui, il est pas là, donc... Voilà. Ok. Bon bah on y va, ça y est, l'action, le fun est là, c'est parti, vous pouvez vous réveiller de vos siestes, ça y est, on entame donc le sprint final, 4 matchs pour un titre. Ou au moins la montée directe, ou alors ben la place des cons, hein, le barrage. On va voir ça tranquillement. Premier des 4 matchs du sprint final. On affronte Toshigi. Normalement, ça doit bien se passer. Je dis bien normalement. Allez, 4-4 de classique. C'est parti. On a un bel avantage quand même. Hein. Je pense que si on gagne ce match, ça sent très bon pour nous normalement. Normalement, hein, je peux me tromper. Faut juste bien jouer notre match. Allez, Tsukamoto, ouais, c'est bien. Oui, allez, Tsukamoto. Ben voilà, c'est très très bien. L'ouverture du score direct. Hein, parfait. Et hop là. C'est pris pour Solid Snake ou quoi? Incroyable. Eh ben dis donc. Très bon début, parfait. Bah, l'avantage généralement c'est que souvent on a droit à un premier match très bien. Tu vois, je sais pas, un peu comme une sorte de mise en bouche ou l'histoire du paquet de bonbons pour te comment dire te faire monter est incroyable dans la camionnette. Mais non, pour l'instant ça a l'air bien d'être. Ça a pas l'air d'être un piège. 2-0 pendant moins de 10 minutes. Coup franc lointain incroyable. Bravo. Ils ont l'air surmotivés là.
Après, on a eu une trêve de 42 jours. Donc, est-ce que encore une fois, certains clubs se sont, on va dire, dit, tiens, on va rien faire, très peu de matchs. Ben, nous, on a fait 5 matchs amicaux. Ben voilà. On va dire, l'avantage de la préparation se confirme, on dirait, hein. D'ailleurs que si tu es très bien préparé, ben voilà, hein. 3-0. En moins de 20 minutes, on est en train de torcher Toshigi. Et même 4. Incroyable. Bon bah je pense que là on va obtenir la montée directe, hein, c'est bon. Hein. Là je crois qu'il y a plus de. Il y a plus de surprise. Hein. Le suspense vient de retomber tel un soufflé au chocolat. On n'est pas prêt de s'arrêter, on dirait. Allez, allez, Olmos qui a bien suivi. Bon. Bah voilà, le suspense est déjà jeté à la poubelle. Allez. Pouk, pouk. Et hop, il a bien suivi, bravo. Limite, j'ai l'impression ils nous ont donné le bâton pour les battre, hein. 42 jours de préparation de pause, tu fais une mini nouvelle préparation et pan. Hein. Mes joueurs, bon, à part ceux qui se sont blessés, etc., ils sont revigorés là. Je dis ça parce que hier on enchaînait les matchs et tout, et même des fois ils étaient même quand même fatigués au bout de. Même avec une semaine de vacances, t'en avais quand même qu'ils avaient le petit rectangle fatigué, etc. Là. Bah, je pense que ça les a revigorés. Le second souffle. Là, je pense que les autres clubs, ils doivent tous faire le même de. Comme ça, là. Ah bah oui, non mais là la Ligue ils nous ont donné la clé pour direct pour monter direct en première division. Là c'est. Ils nous l'ont même amené sur un plateau en or là. Hein. Là en 6-0, on se promène, hein, le club en face, ils sont pas prêts. Ils ont dormi pendant 40 jours. Ils ont je sais pas, nous on a fait Koh-Lanta. Nous, on a fait Koh-Lanta, avec un peu plus de luxe que le vrai Koh-Lanta, mais on a fait ça, c'est. Épreuve de confort, machin, avec les petits plats, appeler les familles, machin. Épreuve d'immunité avec le match. Comme on n'a jamais perdu, ben, pas d'élimination au conseil. Voilà. Ah, quand même, j'étais en train de me dire, c'est quand même bizarre. On les enchaîne sans qu'il y ait une petite réaction du jeu, ben là voilà, 7-1. Je me demande si c'était bizarre quand même cette affaire. Ah, un deuxième. Oui, c'est bon. Et de 8. Incroyable.
Allez, les changements, Furukawa, Afonso. Bah non, oui. Ok, on peut faire les deux. Hein. Mais non, allons. Ah, je suis en train de me dire comment ça c'est qu'il peut aller à gauche alors que non, c'est pas grave. Mais je refais la bêtise, hein. Non, mais dis donc. Mais dis donc. Il nous reste quoi? Bah si. Tu me racontes le. Allez. Bon, je pense qu'après, pour éclaircir l'histoire pour le milieu droit, milieu offensif droit selon la tactique, Kamoto, on s'en séparera. Hein. Je pense que le duo Al-Safar, Diego, il n'y aura aucun problème. Après, normalement, au bout d'un moment, ils vont quand même finir par avoir peut-être je sais pas, la nationalité, comment ça marche. Au bout de combien de temps? C'est au bout de combien de temps la nationalité pour avec le Japon là à prendre lui, tiens. Information. Alors, c'est 1825 jours. Ah, d'accord, oui, quand même. D'accord. Continue. Ok. 1825 jours, putain. Ça fait combien ça? Attends. 1825 jours en année. Ça fait 5 ans. Ouais, c'est classique. C'est le truc classique, quoi. Ok. Bah, ça fait la deuxième année qui boucle. Il doit encore taper 3. Cool. Après, je pense que pour régler le problème, on lèvera pas l'option d'achat d'Afonso. Même si il a très bien travaillé, mais je pense que quand même 350K pour ça, je pense qu'on peut trouver mieux ou meilleur, même en japonais, hein. Y a pas de souci. Allez. Alors, j'ai pas vu de célébration et de machin, donc je pense que c'est pas encore. Je sais pas, on doit pas avoir les points suffisants ou je sais pas quoi. Bon, en tout cas, on a gagné. Je sais pas pour les autres. Tokyo Verdy a gagné son. Ah bah en plus, ouais, face aux Machida Zelvia. Ouais, mais bon, de toute façon, eux, on s'en foutait. Donc les Zelvia, ils ont. Bah, ils sont. C'est fini pour eux, hein, ils ont perdu. Donc je crois que normalement, ils vont nous dire qu'on est plus que 3. Normalement, ouais. Combien de jours, prochain match? Ok. Alors, qui pourrait nous assurer le titre et nous présenter une différence de but très favorable. Ah, vous voyez. Ça va dépendre de notre résultat face à Kiba ou Shiba. Kiba, hein, je pense, ouais, c'est plutôt Kiba comme on dit. En prononciation. Allez, nous on affronte donc les UF, United Kiba, Yokohama affronte Trinita donc, et le troisième, Laron, les Nagasaki face à Fujieda. Ah, bon, il fera la première mi-temps et on verra pour la suite.
Okidoki. Allez, c'est parti. Asakiba chez eux. Le 15e. Et c'est parti, 4-4 de classique. On ne change pas. De l'autre côté pour l'adversaire. Bien, Sato, allez. Allez, ouais, encore. Ouais, tu peux. Ouais, très bien joué. Bon, Anya, incroyable. Quel but d'Anya, 1-0. Pour l'instant, normalement, on est en J1. Voilà. Pour l'instant, c'est le titre et la promotion en même temps. Grâce au but d'Anya. Bon sang de Tsukamoto, quel but d'Olmos. Validé. 2-0. Parfait. Bah, pour l'instant, on fait le travail. On fait tout ce qu'il faut faire pour y arriver. Donc, normalement, ça doit très bien se terminer, tout ça. Perfect. Encore une fois, ils se font avoir de la même manière pour Akawa cette fois à la réception. 3-0. Bien, le monstre parfait. Et 2-4 avant la mi-temps. Ah, refusé, pardon, excusez-moi. Autant pour moi. Bon, mi-temps 3-0 quand même. C'est parfait, c'est très bien. Allez, Diego, t'as fait ton travail. Tu peux aller te reposer tranquillement autour de Kyamoto. Pourquoi à chaque fois je dis que mais bon personne m'a repris donc alors que c'est Kyomoto. Tu mets ma scène. Oh dommage, on n'en profite pas. Bien défendu de la part de Kiba. Alors, le gardien était parti, mais c'est même plus à la pêche, c'est
Il était parti sur Neptune là. Et il est allé faire un tour dans une autre galaxie là. La papa papi pala la pampan la ti tutu chapeau pointu. Ah, un peu de relâchement, comme d'hab. Il n'y a pas du tout faute, on l'a très bien vu. Il y avait de l'espace entre les deux, c'est encore une fois un bug de contact. S'il a pris le ballon, mais pas le joueur, il n'y avait rien. C'est un bug de contact, malheureusement. Bon, plein centre. Jean-Marie Dongou, tiens. Alors, les changements. Ah, c'est Taiga qui fait un très mauvais match. Allez, on termine tout ça normalement. Si on arrête les boulettes, c'est gagné. Évidemment. Oui, bah oui, comme par hasard. Comme par hasard, hein, pour bien faire chier, évidemment. Hein. Faut que je tombe. Faut que je tombe. C'est pas grave, on avait assez de points. Même un match nul, c'est gagné. Dans ta gueule, enculé. Au revoir. Non, mais. Incroyable. Champion! Yes! Et en plus, la montée qui va avec, évidemment, direction la J1. Allez, gâteau, passe la masse. Allez, c'est parfait. Direction la première division. Putain, il est bizarre. Ah, putain, ouais, c'est un gros, je sais pas, on dirait un plat à tarte. En tout cas, ben voilà, on est content. Champion, frère, on a gagné un plat à tarte. Yeah! Et bah voilà. Bon bah comme ça c'est fait. Oh putain. Et bah. Incroyable. Deux montées successives. Deux fois premier. Ok. Pas de soucis. Allez. Et ben c'est parfait. Voilà qui est fait. Parti de rien. J'ai obtenu ce trophée là. Ça a un peu changé maintenant. Comment on fait pour savoir les... succès, oui. Alors, partie de rien. Je peux pas agrandir. Vous avez été promu de la division la plus basse à la plus haute. Ah, ouais, ce fameux succès. D'accord. Il me reste tout ça à faire. Bon, il y a des trucs ici que tu peux pas faire parce que genre c'est vidéo YouTube ou je sais pas quoi, non, comme d'hab. Ça sert à rien. Bon. J'en suis à 77%. Hein. Bon, je fais pas la chasse au trophée mais... ou au succès, mais bon, on s'en bat les couilles. Retour, bon, on va le faire avec 1 parce que sinon ça va faire de la merde. Vous l'avez pas, mais moi oui. C'est ça qui est bizarre, c'est marrant hein, parce que moi je l'ai, mais vous, nous. Bizarre. Bah, enfin, c'est comme ça. Hein. Allez, bah ça c'est fait. Le titre pour le FC Osaka. Allez. Et ben voilà, hein, on a réussi notre pari. Hein. Les trois clubs d'Osaka sont dans la même division, normalement. Oh!
J'ai eu 2 millions de plus que la saison passée. On aura donc 4 millions 830 pour notre première saison en première division. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a des sous. À 1001 contre, bah, contre 1. Hein. Oh, 1001 la cote. Je suis certain que si quelqu'un a fait un all-in sur nous, admettons, hein, franchement, quelqu'un hein, qui a mis toutes ses économies, j'en sais rien, moi au pif, je dis allez. 1 million de yens, mais vraiment, ça a économisé toute sa vie, enfin pendant 40 ans, tu sais, c'est un petit vieux qui a la retraite à 60 ans, 65 ans. Il a mis toutes ses économies sur nous, il s'est dit, je fais un all-in sur le FC Osaka. Bon. 1001 fois ça. Allez, riche. Là, il est riche, là. Là, je pense que ça doit être la plus belle journée. Ah, putain. Ah non, mais je vous jure, c'est un gros plat à tarte, le machin. C'est un gros plat à tarte. Bon, bah c'est cool. Allez, on a gagné le plat à tarte. Allez, il va aller dans la salle de trophée. À la base, c'était une buanderie. Là, on a dû abattre un mur pour avoir quand même une petite pièce de la taille de ma chambre, à peu près, pour commencer à entreposer les trophées. Normalement, à ce rythme-là, on devrait commencer à prendre une maison entière. Enfin, bref. Ah bah putain, bon bah voilà, c'est cool, c'est fait. Du coup, ben, ce qu'on va faire, c'est que... normalement, lui, il va tranquillement finir sa carrière. Donc, ce qu'on va faire pour les deux derniers matchs, on va faire jouer... alors, il prend pas sa retraite, mais comme il va quitter le club, normalement, hein, si je dis pas de bêtises, fin de contrat, voilà, c'est ça. On ne prolonge pas, et puis ben il y a Matsumura qui va prendre sa retraite, donc on va le mettre sur le terrain. Ils vont faire leurs deux derniers matchs sous ses couleurs, sous nos couleurs. Et puis bah, ils iront l'un ailleurs, et l'autre il fera le boulot de normalement de préparateur U18. Voilà, c'est son futur contrat. Donc voilà, allez, tranquillement, pour les remercier. Le moindre des choses, le respect est important au Japon, donc c'est normal de les faire jouer. De toute manière, bah, on avait perdu pas mal de matchs, etc., etc. Bon, du coup, ben qu'est-ce qui reste comme suspense là, du coup, bah, plus grand chose, hein. Il reste très grosse bagarre entre Yokohama et Nagasaki pour le reste, pour la deuxième place qui monte direct. Salut, comment tu vas? Bah moi ça va, en tout cas ça va très bien, puisque ça y est, on vient d'être champion et promu en même temps, grâce à un premier match qu'on a gagné après cette longue trêve, 8-1, et là on a fait 3-3, bah le match nul suffisait. On est champion et promu, merci. Direction la J1, et en plus j'ai eu aussi déjà mon budget pour la saison prochaine. À la base, cette saison, il nous avait donné, je crois, presque 2 millions. Là, on va passer à 4 millions 800. Donc, bah, ça va, hein, pour un début, pour une première. Surtout que là, vraiment, la saison prochaine, l'objectif premier, à moins d'un miracle, mais ça m'étonnerait. Là, on va affronter vraiment des mastodontes. Donc, normalement, c'est le maintien, hein, évidemment. J'ai du mal à le dire parce qu'on n'a pas l'habitude. On était censé jouer le maintien deux fois. On est deux fois champion promu. Bon. On verra. On verra, on verra. Ou alors on va faire nos deux derniers matchs face aux Zelvia et en plus face à Yokohama FC en mode gros touriste. Puisque là on va faire jouer carrément le futur gardien numéro 2 qui s'en va. Donc Kasahara. Et le futur retraité, Matsumura, qui lui prendra ses fonctions de préparateur U18 normalement chez nous. Donc il reste à la maison. Passe de l'autre côté du terrain. Ah bah les voilà les jeunes pousses. Eh ben c'est Noël. C'est ça que j'avais la main gauche qui grattait.
Incroyable. Waouh. Nom d'une pipe. Eh ben, on a quand même 3 génies, soi-disant, 4 bons joueurs, et quand même après des pégus d'un bon niveau. Enfin, d'un niveau honorable pour des pégus qui feront équipe jeune et réserve. Ok, bah dis donc. Bon, du coup, j'en profite, si quelqu'un, ça lui dit de prendre possession d'un de ces joueurs-là, n'hésitez pas, la liste est devant vous. Je vous laisse, allez, 30 secondes, une minute pour choisir si ça vous intéresse. On le fait comme ça au moins il n'y a pas de spoil. C'est genre, vous choisissez le joueur, c'est acté, et après, bah tant pis s'il fait une bonne ou une mauvaise carrière. Ah ah. Alors, toi, tu choisis Tanaka. Le premier, celui-là, qui est juste ici, bon, il n'y en a pas 30 000, hein, donc oui. Voici Takashi Tanaka. Ah, évidemment. Voilà à quoi il ressemble. Défenseur central. Pas mal. Bah, c'est pas mal du tout, hein, franchement. Bon, il y a beaucoup de travail de progression à faire, mais il y a de quoi faire. Alors, normalement, comment qu'on fait déjà voici. Alors, attends. Parce que j'ai pas trop l'habitude, mais bon, allez, hein, faut quand même s'y habituer un petit peu. Normalement, il y a une option quelque part qui s'appelle divers, je crois. Donner un surnom. Voilà. Hop. Pour pas perdre le nom. De base, je suis défenseur, c'est pour ça. Ah, je comprends. Comme la fameuse corporation des gardiens, il y a aussi la corporation des défenseurs centraux. Et ouais, attention. Ils sont là en sous-marin. Ils sont partout. Bref, alors du coup, que je me trompe pas. Parce que moi, je suis capable de faire n'importe quoi, évidemment. Hein. Voilà, normalement, si je me trompe pas, c'est bon. Non, Twitch, laisse-moi tranquille. Alors. Ouh, le génie. Voilà. Trop fort. Voilà, vous pouvez pas tester. Bon, normalement, quand on clique dessus, pan. Voilà. Tanaka, alias... notre ami. Et voilà. Parfait. Content. Allez, maintenant on va découvrir ton... sans ambition. Perdu. Non, après, attention. Ça peut se renverser. Hein. Moi, j'ai des joueurs à fort potentiel avec VH qui ont sans ambition, qui ont mercenaires, tous ces trucs-là. Ça peut se retourner. Ça peut se récupérer. Alors, techniquement, t'es né à Senangun. Je ne connais pas, je vais pas faire le malin. Senangun, ça doit être peut-être un petit village, une petite ville aux alentours d'Osaka. Parle un japonais, donc courant, hein, normal, coréen, et anglais, et connaissances élémentaires. Pas mal. Pas mal, pas mal. Allez. Donc, maintenant, on va procéder au contrat. Hein. Loup, loup. Zou, ça dégage. Hop, ça dégage aussi. Merci. Hop. Hop là, voilà. Au revoir. Allez, suivant. Bon. Du coup, apparemment, bon, bah, t'étais le seul, hein, c'est pas grave. Après, de toute manière, c'est pas perdu. Hein. Si quelqu'un souhaite à tout moment avoir un jeune, on peut très bien le faire à n'importe quel moment. Il n'y a aucun souci, ils sont là. Hein. Il n'y a pas de problème, ils vont pas s'envoler, vous n'inquiétez pas. Bon, alors, notre ami Ona Hiroki, Ona mi-offensif, capable de jouer buteur, il a déjà 11 de vitesse, 12 d'accélération, un poil agressif, mais ça va, déjà une bonne finition pour son âge, avec une technique honorable. Très bien, intéressant. Alors maintenant, sa personnalité, sans ambition aussi, bah décidément. Par contre, c'est un supporter du club, et lui, il est né à Sanda. Ok, très bien, très bien. Allez, zou, zou. Pas mal. Le suivant, le dernier des 3 génies. Le milieu défensif capable de faire central 10, milieu droit. Ah, ça m'intéresse. Et avec du travail, milieu offensif droit. Bon, bah c'est cool. Bon, alors par contre, 7 de vitesse. Va falloir travailler ça, hein, Polo. Pas mal de stats comme technique, passe, jeu de tête, contrôle de balle. Très intéressant. Ok, ok. Lui, c'est quoi ?
Indolent. Je me suis toujours demandé ce que c'était que cette affaire. Indolent. Bref. Allez savoir. Bon, maintenant les moins bons techniquement. Voici Arimoto, Kawada, Kawashi et Merita. Morita, pardon. Alors, le premier, c'est un mieux défensif, c'est le même profil que l'autre. D'accord, c'est pratique. Mais là, il a plus de vitesse, plus d'accent, plus d'agilité. Technique déjà assez bonne. Intéressant. Ensuite, on a beaucoup de mieux défensifs. Franchement, si vous m'entendez me plaindre, ouais, j'ai pas assez de mieux défensifs, ouais. Bon, m'en mettez une, hein, évidemment. Parce que là, franchement, il y a de quoi faire. Alors lui, faible détermination. Ah, d'accord. Dis donc, ça sent l'optimisme, dis donc, dans Osaka et ses alentours. Waouh, les boutiques d'antidépresseurs, ils doivent faire fortune avec eux là. Waouh, nom d'une pipe. Kawashi, défenseur central, un autre 7. Oula. 17 de qualité physique naturelle. Qu'est-ce qui se passe? Il fait 1m69, c'est quoi? C'est. C'est quoi? C'est. J'ai. Il fait de la muscu tous les jours. Je sais pas, mais ok. Jeu collectif élevé, très agressif, bah, je comprends. Ça c'est genre le type, faut pas l'emmerder, hein. Faut pas lui voler son bol de riz, sinon je te jure que tu finis avec les. Bon par contre sans ambition, avec les baguettes dans le cul. Et sans vaseline. Hein. Waouh, d'accord, bon. Il a pas d'ambition, par contre il est agressif. Hein. Bon, et Morita, le mieux droit, pur mieux droit. Il peut aller à gauche hein, s'il y a besoin. D'accord. Volume de jeu, ok. Technique. Oh, bah, c'est bien, on a des gens très techniques. Ah, quand même, enfin, assez ambitieux. Bah dis donc, ça faisait longtemps. Je suis en train de me dire, c'est pas possible. Allez, bon, maintenant on va prendre les pélos. Hein. Murashima, Tsubota, Yamamoto, etc. Tout cela, ce seront les PGU qui cireront l'équipe jeune et les bancs de l'équipe réserve, pas plus, et ils partiront ensuite. Bloop, on prend tout, hein, puisque cette fois, même ceux-là, ils sont en jeune, soi-disant prometteur. Bon, on a compris, hein, on se comprend. Et hop, ça fait de la main-d'œuvre pour l'équipe jeune. Voilà. Eh bah pétard, waouh, excellente promotion. Bah ouais, il me vole mon mot. Hein. Oui, en effet. Excellente promotion, en effet, je... Ouais. Extra. Du plus attendu pour la rencontre, machin, retrouver au stadium, ouais. Machin, gnagnagna. Ok. Alors par contre, tiens, du coup, je pose la question, est-ce que exceptionnellement, t'aimerais connaître, je préfère le demander, et je me spoil pas les autres, mais est-ce que tu souhaiterais connaître donc ton potentiel, enfin ton PA, et ton potentiel maximum? Ton niveau actuel et ton potentiel maximum possible à atteindre, c'est-à-dire qu'en fait... Comme on dit généralement, un joueur peut avoir, je sais pas moi, 160, mais peut-être qu'il les atteindra jamais. Voilà. Voilà, donc si tu souhaites le savoir, n'hésite pas à me le dire. Tu réfléchis? Pas de soucis, je te laisse le temps, c'est pas pressé. De toute manière, on peut te retrouver très rapidement. Y a pas de soucis. Allez, avant-dernier match de la saison, on fait jouer le futur retraité et le gardien numéro 2 qui va s'en aller.
Donc pas de trucs spéciaux. Peut-être ouais, si faire jouer les ouais, joueurs prêtés, machin, ouais, voilà, on va faire jouer les joueurs prêtés. Comme ça au moins ils vont quitter le club avec, avec une on va dire un bon état d'esprit, voilà. Comme ça au moins ils nous en voudront pas trop. Sûrement 160 issues, donc tu veux le savoir donc? Tu veux le connaître? Ah! Allons-y. Allons voir donc. Ah oui, ils sont encore dans les jeunes à l'essai. Donc le voici. Allez, t'es prêt? Tu me dis hein, quand t'es prêt, je préclique. Tu me dis quand t'es ready. Hein. Go. Allez, c'est parti. Voilà. Tu es l'heureux propriétaire d'un joueur qui a donc entre 45 et 89 maximum. Félicitations. Cache ta joie. Hein. Incroyable! Waouh! Fabuleux! Wouh! Bon, je rappelle qu'après, bon, bah, vous pouvez changer. Bon, on essaiera quand même. Si vous changez de joueur, par exemple, hein, qu'il y a d'autres fournées, etc., etc., on essaiera de faire un truc assez rigolo. Je sais pas, moi, le demi-frère, je sais pas, ou un fils caché. On verra. On peut trouver un truc assez rigolo. Bref, allez, après ce moment de joie intense, place au terrain avec deux matchs pour l'honneur, pour finir la saison tranquillement. Ah, et bah tiens, on connaît un deuxième club qui descend. Yamaguchi, qui accompagneront les Gunma en troisième division. Alors, un truc genre, on s'en fout, non? Allez, on part favori, on s'en fout. Hein. C'est dommage qu'ils mettent pas un message genre bah on est champion, jouez tranquille. Allez, jouez à votre main. Allez, c'est parti. Ah bah allez, je vous le laisse hein, quand même. La haie d'honneur. Des adversaires. C'est gentil. Voilà. Incroyable. C'est qui le plus fort? Ça va faire mal la saison prochaine, je le sens. Je sais pas pourquoi ça va pas être pareil. Enfin, je sais pas, hein, parce que bon, bah du coup, normalement, c'est des équipes de première division, donc normalement, ils ont des préparations plus grosses, donc je pense que là, on n'aura pas cette espèce d'avantage. Sais pas, ça va être la surprise. Bon, il y aura des équipes qu'on pourra battre, évidemment, celles du fond de tableau, comme d'hab, mais je pense que quand même, ça sera peut-être pas la même sauce. Après, bon, je dis pas non, hein, si on fait champion direct, ok, hein, mais après, bon, ça voudrait quoi que le niveau est pas incroyable, je sais pas. On verra, ce sera la surprise. La surprise, voilà. Mais du coup, le boulot, ça sera surtout de se stabiliser. Là, ça sera la stabilisation, on va dire le début du travail de fond, du travail de sape. Infrastructure, etc., etc. Et boum, un but de notre ami Azamat, mais refusé. Bon, par l'arbitre. Hein. Et du coup, normalement, en J1, il y a la VAR, hein, normalement, hein, si je dis pas de bêtises. Donc, on sera de nouveau embêté par cette espèce d'encadré là. Vérification en cours. Accordé. Refusé. Aussi qu'on s'occupe un petit peu de voir un peu le. Bah, c'est ça qui est bizarre parce que notre responsable. Ah, ouais, mais après, si notre responsable formation a quand même. Bravo, Sawada. Sawada. S'il a quand même réussi à nous dégoter vraiment une très bonne promotion. Bon, avec le succès qu'on connaît. Après, attention, hein, on rappelle que les étoiles et machin, ça veut rien dire. Hein, attention. Parce que s'il faut celui-là, celui qu'on a découvert, il est 89, hein, puisqu'il est d'accord pour découvrir son potentiel, etc. S'il faut, je suis sûr, les autres, ils sont à 110, 120 ou moins, plus, on sait pas. Hein. C'est des fois, je vous le dis, hein, j'ai eu des joueurs qui avaient 3 étoiles selon mon staff et ils avaient 145. Hein. Donc, attention. Hein, là, pour le coup, on peut dire c'est la loterie. Avec quand même quelques paramètres, hein, évidemment, qu'il faut respecter pour avoir une très bonne promotion. Mais, bon.
Voilà. On verra. C'est quand même tout. Enfin, en premier de la liste, 89 seulement. Waouh. Eh ben. Ils ont pas été sympas le jeu. Eh, but de Matsumura, ouais, pardon. Et oh, on prend le lien. Ouais, 89, j'aurais quand même pu mettre un peu plus. J'aurais petit dit au moins 100, tout pile. Au moins. Bon. C'est la vie. Et comme moi, quoi, c'était il y a deux semaines. Pour rigoler, j'ai joué à l'euro million et j'ai gagné 7 euros. Il y en a qui diront oh là là, mais c'est nul 7 euros. Moi je suis là, oh, putain, trop bien, j'ai gagné 7 balles. Incroyable. Allez. Bah là, c'est pareil, tu dis oh génial, un putain de joueur. Ah. Eh ben non. Après, s'il faut, il sera très bon. Hein. On dit pas. Hein. Oh là. Ah. Oh bah non, mais le jeu, t'as vraiment aucun respect, merde. Le pauvre, merde, c'est ses derniers matchs. De sa carrière, de sa vie. Merde. Non, mais t'es dégueulasse. Ouais, il a aucune pitié, FM, ils sont fous littéralement, quoi. Waouh. Ah bah d'accord. Ah bah bravo, hein. Bravo le respect des anciens football manager. Ah, franchement, Oh, vous devrez avoir honte. Oh, vous m'écœurez. Oh, dégueulasse. Honteux. Ah, je suis outré. Tu as ton budget pour la saison prochaine? Ouais. Tu parles le budget transfert, etc. Bah ouais, comme je l'avais montré tout à l'heure. Ouais. Il est là. 4 millions 8, plus, le salaire est un peu bouffé, mais c'est parce qu'ils l'ont pas beaucoup bougé. Hein. Je dois avoir 260 000 à peu près. Voilà. Après, il y aura des postes à cibler rapidement. Hein. Je pense qu'on peut déjà cibler le buteur parce qu'Afonso, je vais pas le garder. Hein. Comme ça, au moins, ça réglera le problème. Ça m'étonnerait qu'on me reprête les Sawada et machin parce que bon, ils étaient pas terribles. Ils étaient surtout là pour combler le plein. Enfin, pour combler l'effectif. Donc, bon, un buteur en plus de buteur, un gardien remplaçant, même un. Après, si on tombe sur un gardien plus fort que Kato, bah du coup, Kato passerait deuxième. Après, je sais pas, on peut peut-être regarder dans l'équipe jeune, parce que comme il faut inscrire souvent des joueurs formés au club, on va peut-être quand même penser à mettre un gardien du club formé chez nous directement en poste de numéro 2. Hein, on s'en fout, hein, à part vraiment s'il y a une catastrophe. Il est vraiment là pour faire la roue de secours. Hein, enfin, c'est méchant à dire, mais c'est ça. Hein. Je pense qu'il y a un défenseur central pour remplacer Taniguchi, c'est sûr. Peut-être un défenseur gauche, il me reprête pas Tajiri, mais bon, après, je pense qu'on peut avoir mieux que Tajiri. Après, bon, voilà, hein, c'est surtout ça la priorité. Ensuite, bah, on verra s'il y a moyen d'améliorer un petit peu, etc., etc. Bah, on en profitera, hein. On en profitera tranquillement. Hein. Ouh. Oh la mine! Waouh! Elle était violente la frappe. Wow! Elle est pas allée avec le dos de la cuillère là. Elle était méchante. Allez, il vise. Coup de fusil. Oh. Incroyable. Eh ben. Encore? Non mais ça commence à faire beaucoup là mon ami. Quand même, s'il te plaît. Je sais bien que c'est des matchs pour du beurre, mais quand même. Mince. J'aime gagner moi. J'aime gagner moi, dites donc. La défaite, moi ça m'intéresse pas. Alors Diego. Yamoto aussi qu'on fera partir. Hein, du coup, comme ça au moins on pourra stabiliser le poste milieu droit avec Al-Safar et Diego. Tsukamoto. Ça va être en 6-30. Bah, c'est carrément Kuroki qui fait de la merde. Bah, tiens, comme ça, au moins Taniguchi pourra jouer un petit peu.
Là. Ouais, et puis voilà, Maître Miyagi. Ok. Allez, le compte est bon, on peut y aller. Oh bah même si c'est des matchs pour l'honneur cette fois, bah on gagne celui-ci. Allez. Bon, on l'a largement dominé, hein. C'est vraiment qu'à la fin, bon, une énorme frappe monumentale de l'adversaire, et puis après, bon, un petit peu de déconcentration. Allez, place de barragiste décidée. Ah ah, intéressant ça, dis donc. Ah bah elles sont toutes pourvues. Très bien. Donc déjà, ça fait un suspense en moins. Donc pour la place de barragiste, on a Yokohama, Zelvia, Tokyo Verdy et Yamagata. Et il y a encore une place pour la dernière journée à attribuer entre Yokohama FC qui joue contre nous et Nagasaki qui jouera son match contre qui? Dis donc, Nagasaki, c'est Tokyo Verdy. Oui, dis donc, ça risque de rigoler là. On va bien rigoler. Alors, ah bah bon bah voilà, fin de carrière, c'est terminé pour Matsuura, c'est fini, voilà, il s'arrête là-dessus, sur une blessure, c'est moche, franchement c'est moche, franchement la FM t'as aucun respect là, c'est moche là, le pauvre il arrête sa carrière comme ça, devant son public, comme ça, sur une blessure, ah bah dis donc. C'est pas jojo, hein. Ah, c'est pas joli, hein. Non, tu devrais avoir mon TFM. C'est moche, hein. Aucun respect pour les anciens. C'est triste. Aïe, aïe, aïe. Attends, c'était quoi, là, qu'on a vu? Je sais pas, j'ai un match qui passe. Ah non, c'était la coupe. Ah, putain. Donc, ah, la coupe de la Ligue. D'accord, ok, bon, ça, on regardera ça après. Ok. Bon bah allez, hein, direction le dernier match. Parce qu'il y a quand même AFC qui, eux, jouent leur montée directe. Hey, bonjour, bah ça va très bien, bienvenue à toi. Merci, merci, comment vas-tu? Moi ça va en tout cas. Bienvenue. Alors, qu'est-ce qu'on a à joueur nommé de... D'accord, bah félicitations. Équipe de Micronésie. Impeccable, bah tant mieux, c'est le plus important, c'est d'aller bien, ça fait du bien. Alors cette game, bah écoute, pour résumer rapidement, première saison, on était en J3, on finit champion, littéralement champion, donc on peut montrer ça tranquillement. Voilà, on est champion en titre, hein, techniquement de troisième division. Voilà, on a fini champion donc avec seulement 5 défaites, 3 nuls et 30 victoires. Hein, techniquement, on devait finir là, et on finit là. En fait, j'ai remarqué un truc, c'est que en troisième et deuxième division, ils font très peu de matchs amicaux, j'ai l'impression. Moi j'en ai fait au moins 10, entre 10 et 12. Donc en fait on était surpré, hein, enfin surpréparé, du coup on a roulé sur le championnat. On avait fait un quart de finale de la Coupe de l'Empereur. Quart de finale quand même, c'est pas mal du tout. Et bah là cette saison on finit carrément littéralement champion de J2, deuxième division. Par contre, bah, malheureusement la coupe ça s'est moins bien passé. Hein. On a été éliminé par les Shonan Bellmare, qui est une équipe de première division, donc on pouvait rien faire. Donc on a fait moins bien. Et la Coupe de la Ligue, pour notre première participation, on a fait quart de finale face aux Urawa Reds. Qu'on aurait peut-être pu faire quelque chose, mais bon, on va dire qu'ils nous avaient tués sur le match aller, le match retour, ils l'ont pris en mode touriste. Donc voilà, bon, on va dire que le plus important, c'était surtout de monter en première division. Il y a eu aussi un rachat qui a été donc avorté, puis fait finalement par un autre gars qui faisait partie de la, comment dire, de la direction précédente, Sasaki. En fait, il a dégagé les deux autres. Il a racheté tout le club. Et ben depuis, j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui a l'air d'avoir des sous. Parce que là, pour la J2, il nous avait donné 2 millions, presque moins, à peu près 2 millions pour recruter. Et là, la saison prochaine, on a 4 millions 8 pour la première division. On a déjà amélioré un petit peu les infrastructures, tout ça. Mais voilà, on va dire que le travail numéro 1 de monter en première division, c'est fait. Maintenant, on va passer à la suite, la stabilisation et le début de l'implantation du troisième club de la ville d'Osaka. Ah ah! Ça roule, ça roule. Bah ouais, tant mieux, merci beaucoup.
Je vais être franc, je m'y attendais pas. Franchement, je m'y attendais pas. Je pensais que ça allait être très dur parce qu'à la base, l'effectif était pas ouf. J'ai dû le rafistoler pour avoir une équipe. Et on est parti comme un P sur la toile cirée. Mais littéralement, hein, c'est bip bip avec le Ville Coyote, sauf que Ville Coyote, c'est même plus, il essaie de nous attraper, c'est. Il a pris sa retraite là. Clairement, là, il se balance sur une petite chaise en bois là, qui fait. Pendant que nous, tout droit. On a signé à Charlotte FC. Oh, la MLS! C'est rare ça. Ça, c'est rare ça que quelqu'un joue une partie en MLS. Parce que bon, bah, le règlement est un peu spécial. Moi, j'avais déjà fait 2-3 parties à l'époque sur les anciens FM. Donc ça va, je regarde un petit peu IRL le championnat. Donc j'arrive à peu près, quand tu lis bien le truc, vraiment tu prends 10 minutes pour bien lire le machin, bien comprendre le truc. Après, ça roule tout seul. Et c'est très sympa aussi. Hein. Bah, bonne chance à toi. Hein. Tu nous diras ça, ce que ça donne Charlotte FC. Fameux. Charlotte Fraise! Pardon, je sais pas pourquoi je sors ça, mais. Pardon. C'est l'équipe la moins. Ouais, bah ouais. Moi d'ailleurs, je suis très content pour les Columbus Crew parce que la ligue voulait les foutre dehors. Voulait les foutre dehors, littéralement. Et ils ont résisté. Il y a eu des manifs, il y a eu des pétitions, machin, ils sont restés. Pan, champion. Ça a été le. Franchement, c'est pas très joli de faire un doigt d'honneur, mais je crois que c'est le plus beau doigt d'honneur de l'histoire du football. Café Columbus à la Ligue. Et moi, ce qui était génial, c'est quand t'as le responsable de la MLS qui arrive, qui monte sur l'estrade pour donner le trophée, t'as tout le public qui le siffle, mais qui le hait, mais il le déteste. Il était là avec son vieux faux sourire là, comme ça, tout crispé, pendant que les gens étaient là, bouh, bouh. Ah, génial. Ah, c'était merveilleux. Merveilleux. Et je vais essayer d'écrire l'histoire. Bah, écoute, on te le souhaite, hein, tu nous tiendras au courant. Le fil rouge. Le fil rouge, notre nouvel envoyé spécial aux États-Unis. Il nous racontera ses aventures au pays de l'oncle Sam. Moi, c'est le pays du soleil levant. C'est de l'autre côté. Alors, ouh. La modification, bah, si tu veux, hein. Encore, décidément. Oh non, mais arrête et fais merde, respecte les personnes âgées, mince! Mais il a aucun respect pour les personnes âgées, c'est incroyable, il aime pas les vieux. Il aime pas les vieux, c'est pas possible. Il me blesse Matsumura qui, lui, va prendre sa retraite, c'est la fin de sa carrière, il arrête, il sera préparateur, et à part taper dans le ballon à l'entraînement avec les jeunes, c'est tout ce qu'il fera, c'est fini. Et lui, bon, ouais, il va quitter le club, peut-être qu'il fera une petite saison dans un petit club perdu en troisième division, j'en sais rien, mais franchement, un peu de respect, FM, mince. Oh, on respecte ses aînés, mince. Oh, c'est incroyable, ça. Ah non, mais oh, dis donc, c'est pas beau, hein. Blablabla. Ah! Tiens, ça veut dire qu'il nous a déjà donné les emplacements supplémentaires. Ok, donc on aura le droit à un préparateur supplémentaire, d'accord, et à un recruteur en plus, un directeur technique et un analyste du recrutement. Bah, on fera ça après avoir fini la saison, Polo. Pas de souci. À vos ordres, mon capitaine. Allez. Décidément. Attends, Yuri Kato, c'est pas mon gardien principal, ça? Oui. Et ils avaient pas dit que les gardiens devaient moins se blesser? Non, parce que là, je vais en avoir. Ouais. Bon, heureusement, lui, c'était un petit bobo, donc il pourra quand même jouer. Mais ça va, je te dérange pas trop, FM, ça va, tu. Bon, d'accord. Ok. Si tu veux. Déjà? Non, c'est vrai, au Japon, c'est pas une blague, hein. Les travaux, ça va très vite, hein. C'est pas des tortues, hein. Franchement, tu leur dis, tu me construis ça,
Toi, tu t'attends à, bon, c'est prêt dans 2-3 ans, ils te disent, non, 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 non. Oh. Allez, franchement, suivant l'ampleur du truc, en 6 mois, 9 mois, allez, un an tout cassé, c'est prêt. Hein? Ah oui, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Revenez dans quelques semaines, vous verrez, il y aura déjà les fondations. C'est incroyable. Alors, j'ai gagné mon... Bon, moi, j'ai mis 11. Bah dis donc, ça rigole pas. Maintenant on avance jusqu'au championnat, vas-y. De finir le mieux de tableau et de faire bonne figure en coupe. Ah bah déjà, bah après le truc c'est quand comment dire? Oui, après c'est suivant l'objectif qu'on veut se mettre. Le truc c'est qu'il faut arriver, je crois qu'il ouais, à choper les qualifications parce que je sais plus comment que ça marche. T'as une histoire de. Je sais plus combien c'est par conférence. Je crois que c'est 6 ou 7 ou 8, non, je sais plus. Comment ils font déjà leur partage à la con parce que normalement, il y a toute une histoire là-dessus, là. Ah, voilà, c'est les 7 premiers pour la phase finale. Et t'as un match de barrage entre le 8e et le 9e de chaque conférence. D'accord. Donc, ouais, en gros, ouais, quand tu... Ouais, ah, ok, je comprends, ouais, quand tu dis mieux tableau, ouais, c'est ça. Ça fait... Soit la dernière place du truc pour la phase finale de la MLS Cup, ou alors barragiste. Ouais, je comprends, mais oui, bah oui. Oui, ouais, après, ouais, bah ouais, ça te laisse une petite marge quand même, voilà. C'est-à-dire qu'il y a un peu de difficulté pour quand même la choper, mais bon. Voilà, ça te laisse une petite marge. Ça te laisse une petite marge. Ouais, franchement. Ça dépendra des matchs, mais c'est largement faisable. Oui. Maintenant, du coup, ben ouais, on remet les autres. Hein, je sais pas, hein, je vais mettre Anya. Bon, du coup, Olmos sur le banc. Et puis on va aller chercher, bah, je sais pas, un gardien. Il me reste des gardiens ou... Non, les U18 peut-être? Normalement j'en ai un hein, de gardien U18 mais il est où là? Ah bah c'est lui. Il est là. Voilà. Parfait. Et merci pour le follow. Bienvenue à toi. Bienvenue, bienvenue, ça fait plaisir. N'hésite pas, tous les réseaux sont là. Il y a du Discord, il y a du Twitter X, il y a du YouTube pour les VOD, il y a tout ce que tu veux. Tout ça c'est bon. Ah, vous inquiétez pas, il le fait deux fois. Hein. Je sais pas pourquoi il fait la musique deux fois, mais. C'est la vie, c'est la technologie. Que voulez-vous? Ouais, donc, ouais, mon banc. Ouais, bah oui, c'est le dernier match de Kyomoto, donc on va le faire jouer. Taniguchi, c'est son dernier match, donc il va jouer. Après, c'est à peu près tout. Je pense avoir fait le tour de la question. Je vais quand même me mettre le défenseur gauche. On sait jamais à la place de qui. Allez, fais un choix pour l'eau. Saute dans la piscine. Lui, voilà. J'y vais, c'était un plaisir. À la prochaine. Mais pas de soucis, merci à toi. N'hésite pas à repasser quand tu veux, quand tu peux. La porte est toujours ouverte. Peu importe où elle se trouve. Merci encore. Comment on dit déjà? Ah oui, matané! Ça veut dire à bientôt ou à la prochaine en japonais. Oui, car j'apprends un peu le japonais en même temps. Oui. Ah, ma vitesse, hein, évidemment. Hein, je passe pas des heures et des heures. Hein, c'est vraiment petit par petit. Moi, je maîtrise en ce moment. Je suis en train sur les kanji. J'en maîtrise une quinzaine. Ça fait beaucoup pour un néophyte. Ça fait rien du tout pour quelqu'un de confirmé parce que normalement je crois qu'officiellement la liste c'est plus de 2000 kanji à connaître et encore je parle des kanji hein. J'ai fait les katakana, les hiragana je pense que j'en ai au moins zappé quasiment 80%, faudrait que j'y retourne un peu. Allez, pour le dernier match de la saison on affronte Yokohama FC qui joue sa montée contre nous, incroyable. Nous on joue en mode touriste pour la dernière de notre gardien numéro 2, la dernière de Taniguchi, de Kyomoto, qui s'en iront tous trois. Et évidemment, bah, malheureusement, petite pensée à notre ami Matsura, qui malheureusement devait jouer ce dernier match, mais il a été lourdement blessé par Tonton FM, parce que bah, c'est rigolo.
Donc, voilà. Alors que ça ne l'est pas. Voilà. Hop là. Ouais, bon, je pense qu'on va peut-être prendre un petit score quand même, parce que j'ai quand même mis pas mal de joueurs qui ont plus de niveau, qui peut-être en manque de temps de jeu, etc. Donc, et eux, ils jouent super sérieux. Nous, on est vraiment en mode de gros touriste. Hein. On est là avec, avec nos petites baskets, notre chemise hawaïenne, et notre petit machin là, je sais plus, c'est un nom là, l'espèce de. Ah! Merde, pas un éventail, mais un éventail japonais quoi. De 0, dis donc. Incroyable. Je vous avoue que quand même ça me fait un peu mal, hein. Je suis quand même un compétiteur, je n'aime pas perdre. Mais voilà, je me dis c'est pour l'honneur. Voilà, c'est rien. Calme-toi, ne jette pas la souris, c'est pas grave. C'est rien. Allez. Respire, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, c'est pas grave. C'est pas grave. Très courageux parce que la dernière fois qu'un de nos joueurs a fait un tackle comme ça, ils ont sifflé penalty. Parce qu'il y avait bug de contact. Oui. Bon, après, je pense que si, comme il est un petit peu blessé, il doit être un petit peu gêné, hein, malheureusement. Enfin, tant pis. Ça va faire mal. C'est un mauvais moment à passer. Courage. On va dire peut-être une mise en bouche pour la prochaine saison. Voilà, on se prépare déjà à souffrir. C'est un entraînement caché. Je ne l'ai pas dit, c'est un secret. On se prépare mentalement à souffrir pour la saison prochaine. Ça va être dur. En plus, je crois qu'en plus, grâce à son flow, je crois qu'on est à plus grand chose des 600, je crois. Je sais plus. J'ai pas regardé, on doit être à 2, 3. Non, je sais plus. 2, peut-être. Ou. Bon, voilà, c'est sympa, hein. Bah, après, ils sont en train de nous taper dessus, sauf que pour l'instant, Nagasaki, ils font leur boulot. Hein. Ils font le taf, hein, donc ils peuvent nous pilonner 60-0. Tant que les Varennes Nagasaki font le taf dans leur match, ils seront 3e et ils font barrage. Hein. Donc bon. Je pense qu'ils se sont peut-être aperçus là. Parce que là on commence à peut-être avoir le dessus pour marquer un but. Ouais, très belle vue, bravo Sato. Comme on dit, Sugoi. Incroyable, magnifique. Bon, bah c'est bien. Un but pour l'honneur. Voilà. L'honneur est sauf, c'est bon, hein, on peut arrêter le match là, hein. Tout va bien. Ouais, on les engueule quand même, hein. On fait genre, on leur clique plus. Allez, on fait rentrer le petit jeune. Quand même, regarde un petit peu comment il a évolué le petit Alvio, parce qu'il a fait sa première année chez les pros, puisqu'on l'avait pris directement de la formation. Pour faire le deuxième défenseur droit. On va voir un petit peu comment il a évolué en une saison de remplacement. Allez, à fond dessus. Oups là.
Ah, ça, c'est pas mal, ça. Allez, Tsukamoto. Oh, po. Bon, dommage. Dommage, ça aurait été rigolo que le ballon y rentre quand même. Ouille. Ouille. Terrible. Ça fait mal. Non, mais le pire, c'est qu'en plus, quand on gagne avec des gros scores, et quand on perd avec un gros score. Hein. On ne fait jamais les choses à moitié. Hein. Je peux déjà préparer le truc. Hein, Alors, J1 et saison 3. Voilà. Et enlever le à tout à l'heure que j'ai oublié d'enlever. Hein, comme ça, on en profite. Voilà. Allez hop. Au moins, c'est fait. J'ai pris de l'avance. Bien, Alfonso. Bon, ça va, après il n'aura pas été nul, nul, nul. Hein. Franchement, il nous a vraiment beaucoup, beaucoup aidé, Alfonso, hein, quand même. Après, bon, je sais pas. Ouais, puis il fallait que je règle ce souci de trop de joueurs étrangers qu'on est emmerdé à chaque fois. Après, j'ai pas regardé combien peut en avoir en première division. Faudrait que je regarde avant de vraiment. Parce que depuis tout à l'heure, j'ai dit oui, Alfonso, ils sont. Non. Il faut, on a droit à 5 ou 6, je sais pas. Hein. Après, si c'est le même nombre, bon bah là, ça acte le fait qu'on doit on doit faire un choix. Olé. Allez, les derniers changements de la saison 2. Tsukamoto, on va faire entrer Utaka. Tajiri, bah, il a bien fait son travail, donc on peut le faire sortir. Kyomoto, pareil, sortir sur les ovations. Je présente du public. Piu, piu, piu. Qu'est-ce qu'il nous reste? Non. Oh, une fourmi. Dis bonjour à la caméra. Bonjour à la fourmi. Bon, madame la fourmi. Allez. Ça va, elle a atterri sur la couette. Ça va, c'est pas fait mal. C'est beau. Bref, du coup, après cet interlude animalier, j'en disais où moi? Ouais. Ouais, on s'en fout, Sawada, de toute manière, il va repartir de son prêt. Il aura servi de dernier buteur de remplacement. Voilà, comme ça, au moins, il a joué ses deux bouts de match, deux matchs complets, quelques. Quelques bricoles par-ci par-là. Ouh, poteau. Ah, un penalty gratuit. Allez, pour la dernière. Allez, on est sympa. C'est pour nous. Allez, on vous l'offre. Penalty gratuit. Allez, c'est cadeau. C'est un peu comme dans les salons jeux vidéo et machin. Vous repartez avec un petit sac de goodies. C'est pareil. Voilà, petit penalty cadeau. C'est offert par la maison. 6-2, jeu 7 et match. Alors qu'on domine. Non, mais non, je rigole, je taquille, je taquille. Non, normalement, ouais, ça ne te fait pas faire 6-2, peut-être 6-4 dans leur délire. Allez, c'est fini, la saison est terminée, on arrête là-dessus. La saison 2. Voilà, elle s'arrête là, sur une défaite, voilà. Allez, on avance parce qu'on va faire comment dire, le speech tranquillement après, hein, pour résumer tout ça.
Puis quand même, on peut juste dire, ouais, pour ceux qui vont en, voilà, la montée directe hein, pour Nagasaki, ils l'ont obtenu. Donc ça fait les barrages, les voici. Donc Yokohama affrontera les Tokyo Verdy et Selvia affrontera Yamagata pour la demi-finale. Et évidemment, le vainqueur, les vainqueurs des deux s'affrontent en finale et monteront en première division avec nous et Nagasaki. Voilà, donc c'était le dernier match de la saison, dernier match pour beaucoup. Ben lui, il va rester en fait, voilà, en fait on l'a déjà trouvé, le gardien remplaçant. Ouais, non, mais en fait, ça fait déjà un moment qu'il fait un petit peu le va-et-vient, qu'on l'utilise souvent pour ce rôle de gardien numéro 2. C'est vraiment en cas d'urgence, on sait qu'il est là, en plus il est formé au club, c'est parfait. Il coche toutes les cases, donc c'est bon. Du coup, Kato, hop, on le met là, même s'il est blessé, hein, c'est vraiment pour vous schématiser un petit peu ce qui va se passer. Lui, il monte, lui, il remonte, lui aussi. Donc lui, bah ouais, du coup, Kyomoto, on l'enlève. Ça fait donc Diego, normalement, titulaire, Alsafa, remplaçant. Matsura, c'est fini pour lui. Furukawa, il vient ici, donc on enlève Sawada, hop, on pousse Anya. On met Furukawa, voilà. Et lui, normalement, aussi ici. Parfait. Parfait, parfait. Je vérifie que je fasse pas de conneries. Lui, il s'en va quand même. C'est pas dégueulasse, hein, je suis d'accord. Mais on va dire qu'il a... Il a fait son boulot. Voilà, il a fait son boulot de remplaçant, etc., etc. Donc voilà, ouais, je voulais me renseigner pour la première division sur le nombre de joueurs étrangers possibles. Combien avons-nous le droit? La feuille de 20. 5. Ah. Ah bon. Ah, on a le droit à 5. Ah, mais ça change tout. Ah bah ça change tout. Bah ouais, parce qu'en fait, Afonso, en fait, il est bon. Ça m'embêtait de l'enlever, mais c'est comme il est... On va dire, ça débordait sur le nombre de joueurs étrangers. C'est ça que puis hein, je me dis, bon, bah allez, hein, Zou, je m'étais pas spoilé, hein, vous voyez, hein, je l'ai découvert en même temps que vous, hein, je racontais une connerie. Je savais pas qu'en fait, on en avait le droit à 5. Donc, eh ben, il va rester, on va lever l'option d'achat 350, hein, du coup, parce que bon, ça m'aurait fait chier de me séparer d'un joueur avec des belles stats comme ça, quand même. Donc, oui, ben, il va rester, Polo, hein. Il va rester avec nous, comme ça, bah, quelque part, on perpétue quand même cette petite tradition dans quelques clubs japonais d'avoir un buteur ou un milieu offensif ou des fois un gardien brésilien. Voilà. Allez, comme ça, entre tradition et modernité. Parfait. Bah, ça, c'est bon, donc Taniguchi, il faut l'enlever. Bah, c'est à peu près tout, hein, puisque tous les autres, on va pas. Voilà, hein, ça servira de base pour l'équipe. Donc pour l'instant, Taiga, il passe titulaire pour le moment. Ok. Voilà, donc ces 5 là s'en vont. Donc voilà, même normalement, je crois qu'on peut le. Non, pas encore. Très bien. Ok. Bon, voilà. Du coup, toi, normalement, oui, bon, son contrat il se termine. Lui, il faut que je le mette sur la liste des transferts. Est-ce que quelqu'un en veut? Non, personne. Tu m'étonnes. Hop, liste des transferts. Kyomoto, c'est pareil. Est-ce que quelqu'un en veut? Non, tu m'étonnes. Liste des transferts. Lui, il prend sa retraite. Lui, il se casse. Donc, c'est ces trois-là, plus lui. Direction la réserve. Voilà, on fait de la place. Lui, on va surveiller qu'il ne nous pique pas sa place dans les staffs U19. Ils en seraient capables, ces couillons. Ah bah ça va, il y a encore plus de place. Ah bah c'est cool. C'est bon. Ok, pas de problème, Polo. Pas de soucis. Bah tiens, justement, on va commencer par ça. Comme ça, au moins, ça nous fera patienter un petit peu. Alors. On a une place de préparateur. On va forcer sur un préparateur... sur l'offensive, hein, parce que bon, en physique ça va. Et offensive, c'est le plus bas. Hein. C'est vraiment le plus bas. Ça se confirme même dans la section préparateur. C'est pas ouf. Ouais, voilà. Quoique, bon, après, on pourrait dire, ouais, mais gardien quand même, machin. Bah, c'est sûr, attends, quoique. Et si on réaffectait un truc, parce que là, c'est quand même bizarre. Gardien. Comment ça se fait que. Ouais. Voilà. Si je fais ça. Non.
Ça change que dalle. Ouais, bon, au moins ça me donne un peu plus de stats pour autre chose. Peut-être, voilà, mettre en tactique. Technique aussi. Ouais, on le fait, allez, vas-y. Voilà, comme ça on laisse le truc gardien aux autres. Ouais, ils nous disent ça pour les préparateurs offensifs, sauf que... quand on regarde, bon, il est tout seul, hein, le type, hein, c'est sûr. Mais il nous aurait fallu une deuxième place en plus, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Il voudrait pas nous en donner un petit peu plus, le monsieur, là? Ah, malheureusement, non. Bon, bah, tant pis. Par contre, on peut demander ça, mais je pense que pour l'instant, ouais. On va attendre. Ok, d'accord. Bon, bah, allez. On retourne à notre recherche. Je partais d'abord sur offensif, c'est vrai, mais... Pourtant, on est les meilleurs du championnat, hein. C'est ça qui est bizarre. Ouais, bon, allez. On va pas non plus rester là pendant 2 ans. Il sera toujours temps de prendre des préparateurs gardiens. Du coup, ouais, on n'a qu'à faire ça. On prend d'abord un offensif et dès qu'on a des places en plus, priorité gardien. Gardien et physique, ça dépendra du nombre de places. Du coup, on a dit offensif, donc c'est ça plus la technique quand même. Et bah quand même, ouais, parce que quand on a qu'une place, faut quand même que le type soit bon sur les deux. Je vérifie, hein. Ouais, bah ouais, surtout, ouais, bah oui. Ça surchauffe, hein. Il carbure en buteur, il carbure le type, hein. Il en peut plus, il fait merde, putain, je suis tout seul, je suis travaillé tout seul. La pénibilité du travail, bordel. Je vais me plaindre à mon syndicat. Ah, on a quand même quelqu'un. Ouais, plusieurs même. Ouais. Ouais, celui-là. Monsieur Steve Pepperell. Pepperelli? Pepperell? Oh, incroyable. Bon, bah allez. Hein. Allez, ça c'est fait. Donc on nous avait dit un directeur technique. Vas-y, c'est parti. On se structure, on se professionnalise les enfants. C'est important. Ok. Ouais, il est tout seul, hein, notre ami Yamamoto. Dis donc, se calme. Et alors? Qu'est-ce que c'est que ces manières, hein? Et du coup, les recruteurs, on a une place. Plus analyse de recrutement, ok. On va enfin avoir un bon recruteur. Ouais, fais voir un petit peu. Et Corée du Sud, Brésil. Parfait. Perfect. Et l'analyse de recrutement. Ah, quand même, j'allais dire.
Ah, ils sont plusieurs. Ah, c'est dommage. T'es sûr que tu veux pas faire un avis de recrutement? T'as l'air quand même plus efficace dans ce rôle-là, monsieur. Je donne même un peu plus de salaire. Allez, il est chaud. Allez, bah allez. Parfait. Il est d'accord. Ah bah voilà. Allez, le staff c'est fait, c'est bon. On est tranquille avec ça. On avance, hein, on attend que les barrages se fassent. Comme ça, après, on pourra faire le bilan de la saison 2. Oui, bah ça va, hein, t'inquiète, je gère le jeu, n'aie crainte, je m'en occupe. Laisse faire le professionnel. Laisse faire l'expert. Alors, le profil des supporters. On a gagné pas mal de followers, c'est bien. On a encore gagné en pourcentage de footix et perdu en régulier. Je sais pas comment ils comptent ça, mais bon, bref. Voilà, comme ça on les. J'aime bien ne pas surcharger le discours. Allez, on a notre préparateur, Monsieur Pepperell. Ou Pepperell. Vous préférez. Lee Jae-cheol, qui signe en tant qu'analyste du recrutement. Et notre ami Cho Jae-min. Pour l'histoire de d'être recruteur. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Kurushima vers le FC Osaka dans l'équipe réserve, d'accord. Ok. Monsieur Yamamoto, au poste de directeur technique désormais. Bon, bah voilà, au moins le staff, c'est fait, hein. Bon, j'espère qu'il nous donnera un peu plus de place à l'avenir parce que waouh, hein. Y a du boulot, hein. Ah tiens. On veut nous acheter 8 tonnes dans la réserve. Bon, oh, l'acheter c'est bien. Et nous en débarrasser plus qu'autre chose. Non, bah non, on va prendre l'autre offre. Hein. Allez.
Allez, les demi-finales des barrages d'accession à la première division. Vous avez les équipes en face de vous. C'est parti. Eh bien, qualification donc de Yokohama et de Machida qui s'affronteront donc pour la finale. Bien. Eh ben. Vous imaginez si on avait dû baser notre montée sur sur les barrages. Très dangereux ça. Oui, oui. Allez, Wilton qui s'en va. Dis donc. Aïe aïe aïe, quelle aventure déjà. Hey, Itaka qui arrête sa carrière lui aussi. Incroyable. Ah, lui se devenir entraîneur adjoint. À part sa stat on recommence. Adaptabilité. C'est pas ouf, mais bon après, bon, on souhaite le meilleur pour la suite, hein, évidemment. Attends, une approche pour Moriyama, le préparateur. Et oh, déjà. Ah, mais attends, quoi? Bon, on va finir la phrase. C'est un préparateur de l'équipe réserve, c'est ça? Oh, bah, c'est leur problème, ça. Allez, la finale, le dernier club qui monte, qui nous accompagne avec Nagasaki, il s'agit de... D'accord, merci. non, bah non, je vais pas changer de club, non, je suis très bien au FC Osaka, merci. Il s'agit des Machida Zelvia, incroyable. Alors là, Yokohama, moi j'en faisais un petit peu le favori, et ben perdu. Il n'en est rien, ils resteront en J2, une saison de plus. Incroyable. Donc Machida. Nagasaki et nous-mêmes, direction la première division. Ah, est-ce qu'en J3 c'est fait aussi? Non, pas encore. Ah ouais, eux aussi, ils ont les barrages demi et finale. Ça dure encore combien de temps cette affaire? Je l'attends le 8 décembre, c'est ça? Match retour de truc de relégation. Bon, sans... Ouais, bah ça se joue le même jour. Donc le... Ouais, ok. Très bien. Ok, bah c'est noté. 8 décembre, on fait le speech de fin de saison. Au moins 11 de tous les temps, évidemment. C'est moins du bonus collectif. Je ne suis pas intéressé par. Bah non. On est très bien là où on est. Oula! Va falloir mettre des sous là, hein, monsieur. Nouveau record, tu m'étonnes. Donc, Olmos qui est décerné comme. Enfin, nommé meilleur joueur de J2. Félicitations. On est le meilleur entraîneur de la J2, tu m'étonnes. Tiens, on peut signer un contrat pro. Allons-y.
Alors, la saison du titre, on est premier partout sauf en passe adverse par action défensive. Deuxième, on est quatrième en faute subie par match. Et sixième en expected goals contrés par match. Très bien. Un peu sur la droite, cool. Allez, 5 décembre, on a la fête de pot de départ de Matsura en retraite. Oh, il va pas aller loin, hein. Il va descendre d'un étage ou deux et aller rejoindre le staff U18. Ah, tiens, notre nouvel entraîneur de la réserve, hein, monsieur. Je rigole, je plaisante. Moriyama qui était le 1 au poste du 1. Pour les laquelle des. Pour les Jeux Pion Iwata. Et on gagne 40 000. Et bon, on lui souhaite le meilleur pour la suite. Hein. Bonne chance à lui. Il passe d'une équipe réserve à une équipe première. C'est bien. Belle promotion. C'est cool, c'est cool. On lui souhaite le meilleur. Hein. Voilà, ça y est, il a signé son contrat. Le voici désormais préparateur. Eh oui, voilà. Et belle stat hein, quand même. Hein. Alors, il peut devenir entraîneur adjoint. Peut-être on ne sait jamais entraîneur un de ces quatre. Mais voilà, pour l'instant, son truc à lui, c'est préparateur ou entraîneur adjoint. C'est pas ultra dégueulasse, franchement. Je pense qu'il peut progresser hein, avec des diplômes et tout. Voilà, on lui souhaite le meilleur. Merci, monsieur Matsura. On avance, lui il raccroche, évidemment, grande carrière, il nous aura bien aidé, franchement en plus c'est vrai. Il a été un grand buteur en J3, bon il jouait beaucoup moins en saison de J2, c'est normal, mais quand il a fallu faire appel à lui, il a pas trop déçu. Donc voilà, c'est un peu normal qu'il reste avec nous dans le staff. Il a intégré donc l'équipe U18. Ah, on peut le déjà, ouais. Allez, on essaye. Hein. Alors, Kassara envisage la retraite. Bah, il peut, hein, s'il veut, s'il le souhaite, il peut, hein, y a pas de problème. Attribut staff. Alors, lui, souhaite devenir recruteur. Ah. D'accord, Australie, Corée du Sud, Japon, machin. C'est un peu moisi-moisi, mais bon, après, voilà. On lui souhaite le meilleur, évidemment, lui aussi. Allez, début de sa formation. Ah, bah c'est bon, j'ai dépassé la date. Allez, on peut commencer le speech, les enfants. C'est parti, on se spoil pas, on regarde, hop, on part en J1. Le champion, et bah tiens, regardez, c'est incroyable. La ville d'Osaka, elle a brillé hein, cette saison. Le Cerezo Osaka, champion de J1, champion du Japon, devant le Vissel Kobe, Fukuoka et évidemment Kyoto Sanga pour la dernière place continentale. Et on perd donc, on remplace Kofu, Sapporo et Okayama qui descendent en deuxième division. Donc il y aura bien, puisque le Gamba a fini 12e, il y aura les trois clubs d'Osaka en première division. C'est l'heure de la revanche, Tokyo. Attention, on est là. Alors. Ça va faire mal. La ville d'Osaka prend sa revanche. Et ça va chauffer. Les trois Osaka contre le reste du Japon. Les trois mousquetaires. La Triforce même. C'est le surnom des trois Osaka. On va s'appeler la Triforce. Non mais. Et on va voir de quel bon on se chauffe. Bon, moi je suis parti comme un couillon, mais en fait, voilà. Bref, vous me connaissez comme d'habitude. Donc je disais aussi les trois clubs qui, oui, qui descendent dans le sens, c'est bon. Alors les buteurs, note moyenne, but c'est ici. C'est Lincoln qui finit meilleur buteur. Lincoln. Ah ouais. Ouais d'accord. Quand je vous dis qu'on on va prendre des raclés, ça va faire bobo. Hein. Parce que quand vous voyez ça, c'est censé être un ultra bon joueur pour nous. D'accord.
Non, d'accord. Ok. Ah bon. Bah dis donc. Sinon, en passant décisif, Apple Camp. Ouais. Pour les gardiens de but, c'est où? C'est un peu changé, hein, c'est dans tous les sens. C'est lui, le gardien d'Ouragoua Reds. Ok, très bien. Allez, maintenant la deuxième division, les enfants. Bah, évidemment, vous le savez, si vous avez suivi jusqu'ici, on est champion de la J2 devant Nagasaki et Zelvia qui monte, puisque en finissant quatrième, ils ont fait un barrage, demi-finale, qu'ils ont remporté au apparemment. Gagner au meilleur classement de tête de série. Ah oui, cette fameuse règle, un peu comme en série B et tout ça là. Alors j'explique, parce que c'est assez chaud quand même ça. Qu'en fait, tu fais ton match de barrage, machin chouette. Tu fais match nul, il n'y a pas de prolongation comme dans les autres championnats de deuxième division. Genre l'Allemagne, l'Angleterre, la France. On a des prolongations et des tirs au but. Eux, non, ils s'en foutent. C'est tu finis à la fin du match. Ça, je trouve ça que c'est un peu arbitraire, comme c'est un peu bizarre. Tu fais match nul, bah c'est bon. Voilà, puisque t'as mieux fini au classement que les autres, ben bah, allez, t'es qualifié. Ouais, bon. C'est un peu beauf, hein, mais bon. Et donc, Yokohama qui se qualifie aussi. Et ils les ont battus 2-0 sans coup férir. J'aurais rigolé s'il leur était arrivé la même chose, faire genre 2-2. C'est Yokohama qui monte, hein. Mais bon. Bref, allez, du coup, ben voilà, hein, Zelvia nous accompagne avec Nagasaki et nous-mêmes en première division. On a trusté les trois meilleures places des joueurs moyennes. En buteur, Furukawa finit deuxième meilleur buteur. En meilleur passeur, Diego Luis finit premier. On a un homme du match, Olmos, qui finit deuxième. Et pour ben, le reste, on est nulle part, puisqu'en clean sheet, Kato a quand même relevé le niveau que Kasahara et... je crois que c'était Itori qu'on avait comme gardien aussi en première saison. Il a quand même relevé le niveau. Voilà, c'est mieux. C'est pas incroyable. Mais après, bon, il finit quand même la saison avec 8 clean sheets. Donc, c'est quand même pas ultra dégueulasse. Voilà, il fait ce qu'il peut. Voilà, hein, il écope la barque comme il peut avec ce qu'on lui donne. Hein. Donc, bon. Non, voilà, hein, faut pas non plus lui demander l'impossible. Bon, et je me barre encore comme un petit voleur. C'est pas fini. On a Akita, Yamaguchi et Gunma qui descendent en 3ème division. Et évidemment, on va aller regarder un petit peu rapidement la 3ème division. Bon, on s'en fout, hein, c'est leur problème. Y a Kita Kyushu. Ah, c'est sympa pour eux qui, avec Kagoshima qui monte directement. Ça on s'en fout, donc ouais, ça c'est quoi, c'est un barrage demi-finale, ouais, ok, et là on a la finale, Sagamihara contre Kunamoto, ouais, bah on va pas, voilà, bon, hein, vous avez compris, c'est l'un ou l'autre, je pense que, bah on verra, alors peut-être pas, il y a système, mais je sais pas, bah on essaiera d'y penser, ouais, d'aller voir qui a gagné ce barrage entre les deux. On a apparemment Totori qui fait un barrage et cette équipe-là qui descend. Le barrage, c'est, bah, il a déjà été fait, c'était contre l'équipe de Sony. Oh bah merde, dommage, ça aurait été rigolo. Ça aurait été sympa que Sony monte en 3ème division, ça aurait été rigolo. Mais bon, tant pis. Ça sera pour plus tard. Bon. Tout ça c'est fait maintenant qu'on a fait notre speech, hein. C'était donc la saison 2. Merci de l'avoir suivi, hein, évidemment, si elle vous a plu, hein, n'hésitez pas évidemment comme d'habitude, hein, commentaires, YouTube, Twitch, tout partout, hein, n'hésitez surtout pas évidemment. Merci encore, hein, de l'avoir suivi. Désormais, on passe sur la saison 3. Et ouais, c'est parti donc, saison 3, avec notre club du FC Osaka, évidemment. Qu'on va tenter évidemment maintenant de stabiliser, maintien, ça va être très dur parce que vous avez vu rien que le meilleur buteur du championnat de première division, c'est une machine. Donc, ça risque d'être du sport, hein, comme on dit, hein, dans le milieu. Ouais, le problème c'est que je fais quoi? Parce que c'est vrai que lui c'est un petit potentiel, apparemment joueur star.
Le problème, c'est que bon, on va essayer d'améliorer l'équipe, mais ouais, ça ferait quand même un peu trop de boulot. On va voir, parce que ça m'étonnerait, hein. Il accepte quand même. Bon, après, ils sont un peu méchants parce qu'il a quand même beaucoup joué, je trouve, hein. Quand même, au total, comptant donc les apparitions plus titulaire, il a quand même fait 32 apparitions en championnat. C'est écrit 32 ici, sauf que normalement, ah, il a compté quand même la coupe, le machin, mais il compte pas les matchs hors compétition, d'accord? Donc, quand même, bon, voilà, hein, bon, hein, il passe quand même de Toshigi libre à chez nous en prêt. Bon, après, un poil payant, mais bon, ça va. On va voir, qu'est-ce qu'il pense? Ce joueur a raison des mauvais rapports. Ah! Tu m'étonnes. Bon, bah tant pis, hein. Après, il n'est pas en fin de contrat, le monsieur? Non, pas du tout. Dommage. C'est dommage. Non, bah après, tant pis, hein. S'il veut pas rester, il veut pas rester. On va pas le forcer, hein. On va pas lui mettre un flingue sur la tempe, hein. Et pas de soucis, hein. C'est pas un camp de prisonniers, hein. Il n'y a pas de soucis. Hop, on met cette Saito en premier. Bon, ça fera un joueur en plus à chercher, hein, tant pis. Allez, j'avance jusqu'à ce qu'on me, quand même, on me dise que ça y est, j'ai le statut de première division, parce que ça change pas mal de trucs quand même, pour le, comment dire, pour les joueurs, le recrutement et tout, donc on doit attendre un petit pouf. Désolé, un petit truc sur Discord. Voilà. Revenons à nos moutons. Ah. Passe professionnel, c'est bien. Eh ben, quelle saison, hein. Si je devais résumer un petit peu quand même la saison, franchement, je m'attendais pas encore, franchement. Après, quand même, bon, avec la première saison, il y avait quand même ce petit truc de me dire, bizarre quand même. On fait une grosse préparation, ça a quand même bien marché. Puis après l'histoire de la confiance, etc., etc. On a bien recruté aussi, hein, on a bien ficelé notre équipe, mais je m'attendais pas quand même à ce que ça se refasse de la même manière en saison 2. Il s'est passé la même chose que la première saison. C'est quand même incroyable. Donc bah tant mieux, tant mieux. Franchement, regardez, on passe en J1 direct. Donc par contre, on va souffrir, hein. Ça va être dur, hein. Là, franchement, je suis largement moins confiant. Hein. Je fais beaucoup moins le malin là maintenant. Hein, parce que je sais ce qui nous attend. Hein. On va devoir batailler avec des équipes d'un certain niveau. Hein, type quand même Nagoya Grampus, Sogan Tosu, et Shimizu H-Pulse. Voilà, ce sera nos adversaires principaux. Hein, avec évidemment les deux autres qui montent. Hein, Nagasaki et. Machin là, Zelvia, donc ce seront nos adversaires principaux. Va falloir être bon, hein. Il va falloir être bon. Bon, normalement, le changement de statut et tout ça devrait plus tarder. Change pas une équipe qui gagne. Hein. Je prépare les 4 premiers matchs de préparation.
Alors, on fait une offre pour Tanaka. Vas-y, prends-le. Il est dans l'équipe réserve, donc il servira à rien. Offre de Mizushima. Ah, bah d'accord, il refuse l'offre. Alors, on passe à la caisse pour les impôts. Résumé commercial, ça s'est bien amélioré sur la majorité des trucs, sauf partenariat, égal. Modification des prix des billets. Alors, il va augmenter de 66%, nom d'une pipe. Waouh! Ah, il rigole pas, lui. Oh! Et l'abonnement, il va prendre 70%. Oh, doucement, doucement, doucement! Oh putain! Ok. Et président, donc, tes revenus. Et malgré ces augmentations, on va perdre 2% de revenus. D'accord. Très bizarre. Alors, voilà notre budget recherche 268. Ce qui correspond à. Allez, en forçant un peu à Asie. En forçant un peu, c'est-à-dire que non, pas trop, non, c'est trop, non, c'est trop peu, non, bon, j'annule. On en remettra un petit peu s'il y a besoin, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Ok, donc maintenant on possède le réseau de recrutement possible sur toute l'Asie. Bon, bah, c'est bien, ça va aider, ça, c'est cool. Bon, puisqu'il me le propose pas, je vais le faire moi-même. Donc, on va aller lever l'option d'achat de notre ami Afonso. Voilà. Alors, on va essayer d'enlever des trucs, hein. Voilà. Ah. Oh, bah écoute, hein, vous connaissez le jeu Harry Potter? Voilà. Bon. 30 000 carrément. Comme ça, direct. Bah, pas de prime de signature. Oh, moi, ça, je suis désolé, c'est non. Voilà, ça tu m'enlèves, ça prime de but, ça c'est pas grave, pourcentage de rendement t'enlèves, sans bas les couilles. Allez, qu'est-ce que t'en penses? 47 000, je peux pas, désolé. Par contre, je veux bien augmenter ton agent si tu veux, je veux bien l'arroser un peu. Voilà. Alors, montant de clause libératoire, ça j'aime pas les clauses libératoires, par contre, je veux bien genre. Si on est relégué, tu peux partir pour aller pour une bouchée de pain. Allez, ça n'arrivera pas pour 1 000 euros. Bon, bah, il veut pas. Bah, t'es enculé alors. J'ai pas envie de me faire escroquer, monsieur Afonso. Désolé, bah, puisque t'es un petit connard, bah, casse-toi, hein. Tu nous prends pour une vache à lait, une pompe à fric. Ben, salut, hein. Désolé, hein, mais il est pas marqué con sur nos fronts. Hein. Voilà, casse-toi. J'en ai un pour. Ah, bah, c'était carrément tout de suite. Ah, ouais, c'était. Moi je pensais que c'était la saison prochaine, non, c'est tout de suite, il a pris sa retraite maintenant, c'est pas le temps. oh, hein, et pas le temps, hein, zut, hein. Attends, est-ce qu'on peut proposer. Non, mais pas pour. Merde, non, c'était pour genre l'équipe. Non, désolé, laisse tomber. Je pensais que c'était pour l'équipe jeune, machin, chouette, désolé, pardon. Excusez-moi, tout bien à ça. Bon. Ça fait un joueur en plus sur la liste, mais tant pis. Attendez, il nous prend pour une vache à lait. Oh, doucement, doucement, Polo. Il faut qu'on se constitue une équipe entière, hein. On peut pas brûler le budget rien que pour lui, hein.
C'est pas grave, hein. Il y en a d'autres des joueurs brésiliens, peu importe d'où ils viennent. Moi, je pensais pouvoir faire la tradition entre tradition et modernité, mais bon, s'il nous prend pour une vache à lait, bah casse-toi, hein. Salut, hein. Sayonara, hein, comme on dit, hein. Dis donc. Ouais, vas-y, Sakamoto. Ouais. Fin de contrat, on en a deux. On a Utaka. Ok. Dakodak. Et notre ami Sato, 30 ans. Parfait. Le staff. Ah, il doit y avoir le directeur sportif dans le lot. Où est-ce qu'il est, ce con? Là. Voilà. Parfait. Alors, Matsura, puisque. Ouais, il vient d'arriver, c'est normal. Lui aussi, lui aussi, lui aussi. Ils signeront plus tard, c'est pas grave. Et lui, il veut négocier. Bon, bah, voilà. Voilà. Attends, on peut pas faire genre la technique de. Pourquoi? Ah, d'accord, tu veux faire le connard jusqu'au bout. Bah écoute, fais le connard jusqu'au bout, hein, je m'en fous. Hein. Ah, on a récupéré un peu d'argent, donc je peux en profiter. Ouais, il a remis la main au pot, plus les machins, donc ok, il a remis 3 millions 4, etc. Ok, donc on peut y aller. Alors, infrastructure, formation. Voilà. Tant qu'on y est, amélioration de mon recrutement. Parfait. Encore les. Ok, donc on n'a pas encore le statut première division. Les dirigeants. Tiens, on veut me recruter de partout. Regardez-moi ça. Sapporo, Tokyo et Okayama. Non, non, c'est gentil. Non, merci. Vous êtes sympa, hein, les enfants. Mais non, non, c'est très sympa de votre part. Laissez-moi tranquille. Vous êtes gentil. Bah ouais. Une carrière avec un club, pas. Certaines carrières, genre tu changes de club souvent, etc. etc. Bon, j'aurais été rigolo. Problème, c'est qu'il me donne pas mon statut tout de suite, ça m'embête un peu. Alors, finale de la Coupe de l'Empereur, elle est assez tardive quand même. Hein. Entre donc Hiroshima et Cerezo qui pourrait faire le doublé. Allez, tous ensemble, allez, ces réseaux. Boum! Allez, ils font doubler Coupe Championnat. Pff, incroyable. Incroyable. Ah, ça y est, enfin, bah, dis donc. Bon, calme-toi, calme-toi. Donc c'est bon, ça y est, on a. Bon. Ah non, on est toujours considéré comme J2. Mince. Encore un peu de patience.
Alors, il refuse le centre d'entraînement. Et ah, je peux quand même essayer de négocier pour un truc de recrutement. C'est bon, ils ont accepté. Et le centre de formation, ils ont accepté direct. 775 000, parfait. Très bien. Extra. Donc du coup, voilà. Le recrutement amélioré pour quelques temps, comme de notre envergure. Ok. Bon bah c'est cool. Qu'est-ce qu'on peut encore demander d'autre? On en profite. Réseau. Petit club affilié là. Suggérer, ouais. Bon, ils veulent pas. Ah, ok. Peut-être d'autres choses que je pourrais demander. Stade. Ah. Voilà. Ok. Bon. Ben, on aura au moins eu le centre de formation qui s'améliore. Donc c'est bien. Tant mieux. Parfait. Poupoulou-poum-poum. Un préparateur autorisé. Ah, bonne nouvelle. Un. Bon, bah on va prendre gardien, hein, parce que ouais, vraiment en dèche sur sur le poste de ça. Entraîneur des gardiens. On va mettre les. Non, pas ça, ça, ça et ça. Bah dis donc, il n'y a pas grand monde. Ah, quand même. Ah non, c'est vraiment... ok. Bah ouais, du coup, mieux, ouais, c'est le plus âgé, c'est lui. Salaud Mao. Carlos Salo. Salo Mao. Alors là, c'est pas mal. Alors rien que pour le nom. Enfin, s'il veut bien, ouais, voilà. Parce qu'on a pas des moyens extensibles. Non, monsieur, on peut pas. On peut vous proposer par exemple ça si on la gagne, mais qu'on ne la gagnera pas. Voilà. C'est un pigeon. C'est un vrai pigeon. Bon, bah, c'est bien. Hein. Un vrai pigeon. On lui met un truc qu'on n'arrivera pas à faire, mais. Bon, allez, hein. Alors, ah, ça y est. Alors, quand même, machin, compte rendu, devant de saison, machin. Voilà, j'ai rien à vous ajouter. Tout va bien, n'ayez pas peur, tout va bien se passer. Bon, et sinon, le changement de statut, c'est pour quand, là? Premier match amical. Voilà, petite victoire 3-1. Commence doucement. Ça et hop, ouais, ça et plutôt ça. Voilà, en étant un petit peu plus malin. Voilà, comme ça les gardiens sont bien entraînés. Allez, Michael, victoire 5-1. Ah, c'est bon. Alors, donc on monte avec Nagasaki et Selvia. Très bien, oui, comme ça on le savait. Merci. Non, changement de statut, c'est pour quand?
Pas dans les deux, ouais, pas dans les deux cas, on va prendre celui-là. Un peu tardif le changement de statut parce que pour l'instant je suis coincé, j'ai toujours statut J2 alors que je suis censé être J1, donc c'est un peu con là. Petit contrat pro. Ouais, pas mal, 5-3. Ah, ça y est. Alors, une stature nettement plus grande pour le FC Osaka, tu m'étonnes. Ok. Parfait. Voilà, ça y est, on va pouvoir y aller. On connaît déjà notre premier tour de la Coupe de la Ligue. On affrontera les Alibrex Niigata. Alors, les objectifs, tenter d'éviter la relégation, tu m'étonnes. Atteindre le. Ouais, on va rester. Oh, quand même, la coupe, je peux tenter quand même le troisième tour, hein, c'est faisable. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Vous me le refusez un peu avant, et maintenant vous me le proposez. Vous êtes des génies, vous. J'adore. Ah, c'est pas mal, hein, c'est intéressant. J'aime bien le concept. J'adore le concept. Bon, c'est pas grave. Allez, on va pouvoir recruter. C'est parti, les enfants. On sauvegarde quand même. Voilà. Allez. Préparez-vous, mouillez-vous la nuque. Parce que là, on va devoir mettre les mains dans le cambouis. Hein. Alors, allez. C'est parti, les enfants. Bon, les deux gardiens, c'est bon. Défenseur droit, on ne change pas. En défense centrale, il nous en manque normalement un. Si on compte bien, hein, si on sait compter jusqu'à 4. Donc, c'est parti. On va essayer quand même de trouver quelqu'un de bien fort. Comme ça, au moins, on ne sait jamais. Hein. Alors, déjà, première chose, on est censé être une nouvelle saison. Donc, techniquement, non, les contrats jeunes, on s'en fout, on regardera plus tard. Défenseur central, parfait. Je voulais donc les terminer. Nationalité japonais. Quoique maintenant, j'ai le droit à 5, mais j'aimerais quand même garder la dernière cartouche pour le buteur. Alors, donc, japonais. Les défenseurs centraux, c'est quoi déjà comme rôle? C'est défenseur relanceur. Défense. Défenseur relanceur, défense. Bien, mon capitaine. Alors, défense. Attends, défense centrale. Non, défenseur relanceur. Défense. Entre. Toc, et voilà. On descend. Voilà, pas plus de ça. 12, voilà. Ensuite, on descend comme ça. Il y a déjà un candidat. Ah, c'est pas mal du tout. Ryosuke Shindo. Un poil lent, évidemment. Mais apparemment, ça a l'air d'être un petit peu la norme pour beaucoup de défenseurs centraux japonais.
Ça a l'air pas mal du tout. Selon mon staff, le meilleur défenseur central, c'est Kuroki, on est d'accord? On va se baser sur lui. On va comparer à... le voilà. Ok. En attribut. Alors, à droite, notre ami Kuroki. À gauche, Shindo. Ok, bon, vous avez compris, hein, Shindo, il explose notre ami Kuroki dans tous les domaines, sauf agressivité, mais justement, une bonne nouvelle. En détermination, c'est un point de différence, hein, c'est pas non plus la mer à boire. Le leadership, bon, il y a une légère différence de 2 points, mais ça peut se travailler. Le placement, il y a une belle différence quand même, mais après, bon, si on les fait jouer ensemble, l'un peut compléter l'autre. Donc franchement, là, on tombe déjà sur quelqu'un qui a du bon niveau quand même, hein. Gratuit en plus. Ouais, franchement, ça m'intéresse beaucoup, là. Joueur vedette, carrément, déjà, comme ça, un joueur important, non? Non, vedette, ok, très bien. Ok, donc ça j'en veux pas, je peux pas être primé à la signature, durée de contrat. On va tenter le 5 ans s'il veut bien. Ça je veux pas. Malheureusement je peux pas toucher aux clauses libératoires, donc ça veut dire qu'il faudra lui redonner un contrat s'il performe et que justement on est un peu embêté là-dessus. On va quand même essayer de gratter sur l'histoire de la descente. Voilà. Donner peut-être un petit peu plus de pognon en prime pour le maintien. Bon, il est d'accord. Allez, c'est parfait. Bah, déjà, on tombe bien, hein. Franchement, on tombe bien. C'est limite, en fait, techniquement, si déjà, en plus, là, on est avec les trucs de nouvelle stature, hein. C'est-à-dire que normalement, là, Kuroki, si je clique dessus, ils me disent qu'il a. Ouais, il peut être un bon joueur de J2, mais peut-être un peu J1 aussi quand même. Voilà, correct en J1. Donc bon, c'est déjà prometteur. Ensuite, donc ça c'était tout pour le poste de défenseur central. Maintenant, défenseur gauche. Défenseur gauche, c'est latéral, intérieur, soutien. Donc on va faire le même système. Alors, défenseur gauche, japonais, contrat terminé. Latéral intérieur, soutien. Voilà, et c'est parti. Deux candidats qui se présentent. Le premier. Bon, à part la vitesse. point noir, la vitesse, mais en fait, techniquement, c'est un mieux défensif. Il peut faire défenseur central, défenseur gauche naturel, arrière latéral gauche. D'accord. Par contre, c'est le 8 en vitesse qui m'embête un petit poil. Mais en fait, actuellement, il est en train de finir son contrat. Ouh là, j'ai pas compris. En chum. D'accord, il est attends, quoi, il joue en. Non, sérieux, il était en train de jouer en Angleterre, sérieux? D'accord. Ah, à Huddersfield. D'accord. Et le deuxième qui a fait déjà l'offre de plusieurs concurrents. Ah! Ouais, c'est pas mal du tout. En plus, il peut fermer au gauche. Et bien sûr, la saison au Tokyo Verdy, d'accord. Après, c'est pas une grosse note qu'il a. Franchement, ouais. Le truc qui m'embête, c'est ça. Vous voyez, Après, ça pourrait être un très bon remplaçant, notre ami Saito. On va les comparer, hein. On peut toujours faire ça.
C'est lui. Alors. Saito à droite. Nakayama à gauche. Alors, 3 points en centre. Ouais, c'est vrai qu'en centre et contrôle de balle. Surtout centre, il le bat. En tacle de 2 points. En technique aussi. Par contre, en tir de loin, touche longue, il se fait pulvériser. Ensuite, c'est pareil pour l'agressivité. L'anticipation, il est meilleur sur 2 points. Courage, décision, détermination, jeu collectif, leadership, machin, placement, sang-froid, il est meilleur. Volume de jeu aussi. Par contre, accélération, il est battu, largement battu. Il est plus agile, plus de détente, plus d'endurance, plus d'équilibre, moins de puissance, moins de qualité physique naturelle. Par contre, sur la vitesse, ils sont égaux. Ouais. Je sais pas, j'ai l'impression que je peux quand même trouver mieux, non? Bon, si je trouve personne, je le mets là, voilà, de côté, on le met sous le coude, on sait jamais, en plan d'urgence. Ok, bon, du coup ça c'est fait. On va aller regarder pour les autres possibilités de recruter. Donc par exemple en liste des transferts déjà. Pour commencer, ça c'est Kaka, donc le seul qui a apparemment de l'intérêt c'est lui. Lui aussi, hein, regardez, hein, il est lent, moins de 10. En vitesse, c'est quand même incroyable. Il jouait donc avec Kofu la saison dernière. En J1, qui vient de tomber en J2. Il était titulaire, il a fait du 6-52, c'est pas très prometteur, hein, malheureusement. L'ami Mura en plus, il porte un nom de légende. C'est vitesse. C'est un point de plus de vitesse que notre ami Saito. Comparaison à Nakayama, vu qu'on voudrait peut-être prendre. Alors, Nakayama est à droite, en centre il se fait pulvériser, hein, ça c'est facile, contrôle de balle aussi. Marquage, un point de plus, mais par contre ils sont pareils sur les passes, hein, il est meilleur en tacle. Non, je plaisante, ils sont égaux en tacle, mais il est meilleur en technique. Touche longue, il le fusille. En mental, ouais. Et ici, il a plus de qualité physique naturelle, plus de puissance et d'équilibre. Et il a ce fameux 1 point de plus en vitesse. Moyenne 10-10. Ils sont égaux. Hein, ils sont égaux un peu partout, hein, franchement. Ouais, c'est pareil avec un point de vitesse en plus. Mais là, il faut payer 400K. Ça fait beaucoup quand même, hein. Ouais, c'est... Bon, on met de côté au cas où. Et après, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Ah, là, il y a beaucoup de monde. Celui qui a le plus de valeur et peut-être beaucoup de potentiel, peut-être. Qu'est-ce que ça peut donner? Ah, bah voilà, lui, il a 10 de vitesse, voilà, c'est le... Le fameux point où je suis un peu tatillon là-dessus, c'est que lui au moins il est à 10 de vitesse. Par contre, bon, comme on dit, il est à peine sorti de l'œuf. Comme on pourrait dire. Culinairement parlant, il est à peine sorti de l'œuf. Des Kyoto Sanga. Ça fait encore emprunter un très jeune joueur. Il faut en gros faire progresser pour les autres. Bah justement, comparé à Nakayama. Ouais, Nakayama, il le bat. Hein. Mais il a plus de... Lui, il a du potentiel, c'est ça le truc. Mais ouais, c'est pas ouf. Bon, et suivant nos recruteurs, alors. Suivant notre réseau de recrutement. Que disent-ils, eux? Que nous disent-ils? Ouais, mais c'est déjà un Brésilien.
C'est vrai que bon, ben c'est sûr, hein, c'est fort, hein, mais on grillerait déjà notre Joker. Moi, je voudrais absolument un buteur brésilien, mais après, s'il n'y a pas moyen de faire autrement. Il n'y a pas un japonais, c'est ça le problème, c'est que. Ouais, d'accord. Ouais, je comprends maintenant. Il y a pas un seul japonais dans le lot. Ça fait un peu chier. Moi, je voudrais japonais, moi. Si on baisse en notation en simple A, il y en a trois. Ueda. C'est pas mal. En fait, il a tout en vitesse, Ueda. Lui, il a tout en vitesse, voilà. Il vient des Kyoto Sanga aussi, pareil. Il a été prêté à Yokohama FC, il a fait du 6,90 pour le peu de matchs qu'il a fait. D'accord. Après, il a quand même belle stat en tacle, vitesse. Voilà, le problème, c'est l'endurance. C'est un joueur, ouais, encore, il faut faire jouer pour progresser. Ah, le potentiel pour jouer en J1. Ah, c'est intéressant. Limite, c'est intéressant. Limite, c'est. Ouais. Il y a un peu de travail dessus, mais il serait limite plus intéressant. On peut quand même encore comparer les deux. Ouais, il le bat, d'accord. Hein, on est d'accord. Il le bat 2 points. 2 points. 3 points à 0 sur la totalité des trucs en moyenne. D'accord. Mais. Ça m'étonnerait que lui ait le niveau J1. Faudrait l'observer, c'est le problème. En Sima, on a fait une offre, autant que je pense qu'on peut l'enlever de là. Ouais. Nakayama. Le problème, c'est. Aucun recruteur disponible. Ah, ça, c'est. Un peu bête, c'est dommage. Enfin, bon, après, je demande l'observation, mais c'est vrai que lui il a des belles stats partout, on va dire à peu près. C'est moyen, c'est le bon joueur moyen. Voilà, mais le problème, c'est ça. Là, on aurait quelqu'un pour. J'ai vu le prix, il est quand même incroyable. 10 000. Pour 10 000, on a un joueur qu'il faut faire progresser, hein, c'est sûr. Mais qui serait déjà bah, le remplaçant de notre ami Saito. Et après, il a déjà 15 de vitesse. Hein, il galope. Hein. C'est une Formule 1. Hein. Selon leur observation, il a déjà quasiment le niveau de Saito, techniquement, en fait. Après, c'est un pari. Bon, après, on peut quand même regarder les deux autres. C'est quoi les deux autres, là? C'est quelqu'un qui a déjà des offres? Ouais. Oui, ouais, c'est correct, mais ouais, déjà 25 ans. Et le dernier de la liste, lui. Ah bah voilà, là on retombe dans les travers des latéraux ou des défenseurs centraux trop lents. Franchement, j'ai envie de prendre lui, hein. 10 000, franchement. Avec un peu de travail, ça se tente, hein. Bon, allez. Comme on dit. Comment ça, il a déjà une offre de contrat? Quoi, s'il te plaît? Oh non! Mais non, mais j'avais pas vu ça, moi, merde! Comment ça se fait? De où? De comment? De quoi? Comment ça? Mais où? Mais c'est écrit nulle part, normalement il y a un TM normalement. Qu'est-ce que ça fait? Oh les enculés, ils nous ont eu avant. Oh non, Kayama, vous êtes des fils de pute! Voilà, désolé, mais ça soulage. Je vais les tuer. Je vais les bouffer. Je vais les bouffer, hein. Littéralement, je vais les bouffer. Retenez-moi, je vais les bouffer. Non, j'y crois pas. Tu peux pas mettre un TM ici, normalement? Je dis aussi, si le jeu il fait pas son boulot, cet enculé, là. Encore une fois, là. Putain de jeu en bois, là. Bon, allez, on rebondit. Allez,
Tebara, directeur sportif, dis-moi, t'as une suggestion peut-être? Jamais. Une bonne idée, une idée lumineuse, une idée de génie? Non, que des. Bah non, c'est pas ce que je cherche. Non, désolé. C'est la cartouche, c'est pour le buteur que je garde ça. C'est pas grave. Transfert. Je crois qu'il a. Il a un truc qu'il a pas compris. Il y a un truc qu'il a pas compris, lui. Bon, bah c'est pas grave. Bah, je vais me débrouiller tout seul, comme d'habitude. Voilà. C'est quoi ces salaires dégueulasses là? Vous foutez de ma gueule? Je quand même pas aller piocher dans les jeunes des autres. Tiens, d'ailleurs, ça me donne une petite idée. Beaucoup trop les enfants, désolé. Bon, ouais, bon là c'est pas mieux, c'est pareil, hein. D'accord. Étudier ses options en fin de contrat. Ah ouais? Parce que bon, lui, en technique, tacle, tout le tralala, vitesse, puissance, la totale, hein, hormis la détente verticale, etc. Mais franchement, c'est pas mal. Et en plus, j'ai cliqué au pif, hein, sur le premier de la liste, hein, littéralement, ni plus ni moins. Il le bat 1.10. Et en plus, lui, attends, Sasaki, lui, il joue déjà dans une équipe de première div, c'est ça? Ouais. Au Kawasaki Frontal. Et il a fait donc remplaçant. Alors, s'il est remplaçant au Kawasaki Frontal et qu'il fait 7 de notes, ouais, ça peut être intéressant. J'avoue. Vous savez quoi? Peut-être on est tel un chat, on est retombé sur nos pattes. Joueur vedette, t'es sûr? Quand même. Titulaire régulier, gardien, non, laisse tomber. Bon, d'accord, joueur vedette, vas-y, c'est bon. Tant pis. Hein, vous connaissez Harry Potter? Oh, putain, les clauses libératoires, c'est pénible, hein, cette affaire. C'est vraiment chiant, ça. Hein. Par contre. Allez, on signe. Allez, c'est bon. Je pense que là, on tient quand même quelque chose de bien. Allez. Bon, défenseur gauche, c'est réglé. Mieux défensif. On a toujours Sato, Miyagi pour l'instant. Donc là, on est vraiment surcomplété. On améliorera peut-être au fur et à mesure. Mais on va pas. Je sais bien que c'est pas ouf. Ou alors mettre Miyagi, etc. etc., etc. Oui, non, mais. D'abord, on complète. Après, on verra. Donc, mieux défensif, c'est bon. Mieux droit c'est bon, mieux gauche c'est pas bon, non ça, je rigole, si c'est bon, il n'y a pas de souci, Tsukamoto et Utaka, très bien, et donc bah, après il reste buteur, donc avec buteur principal 1, donc ça fait plus, bah c'est tout, 1, d'accord, et parce que si on compte, donc ça fait 1, 2, 3, non comment ça, 1, 2, 3, 1, 2, donc 1, 2. Il manque un truc là. Il y a une couille dans le potage. Il y a une couille dans le potage. Mais elle est où la couille dans le potage?
Normalement, 2 fois 11, merci, ça fait 22. Attends, petite seconde. Attends. Admettons, si ma hausse, ça s'acquit, on est d'accord. Hein, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. On est d'accord. Merci jusque-là, on me suit. C'est bon, très bien. Donc, ça fait ici et ici. D'accord, on me suit. Merci. Ensuite, si je prends un buteur, il vient là. Donc, il me manque quelqu'un ici. Donc, ça veut dire qu'il, quelque part, il y a... Bah c'est pas le... Utaka, attends, on recommence. Gardien, c'est bon. À droite, 1, 2, 1, 2, 3, plus l'autre, ça fait 4. Saito, plus l'arrière-gauche, ça fait 2. Qu'on est en train de recruter. Ensuite, Sato et Miyagi, c'est bon. Luis Al-Safar, c'est bon. Tsukamoto Utaka, c'est bon. 1, 2, 3. 1. Et 2. Donc, avec un buteur, ça fait 3. Il y a un... Attendez, il y a un problème quelque part. Oh, je suis con ou je le fais exprès? Gardien, ça fait 1, on est d'accord. Lui, il y a l'autre, ça fait 2. Lui, ça fait 1, 2. Plus Yamamoto, 3. Plus lui, ça fait 4. On est d'accord, 4, il vient ici. Ensuite, gauche. Gauche 1, gauche 2. Le défensif 1, le défensif 2. Milieu droit 1, milieu droit 2. Milieu gauche 1, milieu gauche 2, il est là. Il y a réellement une couille dans le potage là. Il y a une couille dans le potage. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi il me manque quelqu'un? Attends, comment il peut me manquer quelqu'un là? Quoi? Attendez là, c'est quoi cette sorcellerie là? Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie là? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi il me manque quelqu'un? Tsukamoto Utaka, ça fait 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Allez. Pardon, ça y est. Et vous savez, le Sawada, celui qui servait à rien, c'est le 6ème buteur. Ça y est, fallait le temps que ça. C'est bon. Pardon, ça y est. C'est pas grave. Eh bah dis donc, c'était dur, hein. C'était dur, donc il nous faut deux buteurs, dont un, je peux le recruter brésilien, par exemple, pour la petite tradition. Après, tradition, ok, d'accord, brésilien, mais on peut peut-être prendre quelqu'un d'autre, c'est pas obligatoire brésilien, si, je sais pas, c'est... Bah, je sais pas, ça fait un petit truc rigolo, ouais, allez... Amérique du Sud, brésilien, voilà. Buteur central brésilien, contrat terminé. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Donc c'est attaquant, avancé, offensif. Donc ça, avancé, ça. Hop, hop, hop. Donc moins. 5 grand max.
Ok. Donc on a trois candidats possibles. Le premier, Raphaël Silva. Ouais, non, mais après aussi, par rapport à ce qu'on a de base, c'est sûr que tous on va faire waouh! Ah putain, ouais, c'est super fort! Waouh! D'accord. Alors, donc le premier, bon, c'est le plus âgé, hein, 29 ans, donc on va dire qu'il est au maximum de ce qu'il peut faire. Donc il sort d'une saison dans des divisions inférieures, apparemment. Avant ça, il était en série C, ouais. Finition de 12. Ouais. Est-ce qu'on peut encore comparer si il nous l'a encore gardé dans les stats, même s'il est plus là, non, Alfonso, non. C'est dommage. Ah, c'est dommage. Comparer joueur. Ah, c'est dommage que je puisse pas genre nommer quelqu'un. Dommage. Bon, c'est pas mal du tout le premier. Voyons voir le deuxième. Notre ami donc Albuquerque. Ouais. Bon, il est beaucoup plus jeune, hein, 23 ans, 12 de vitesse. Je crois que l'autre il avait combien? C'est pas 10, non? Non, 13. Hein, 13 de vitesse, d'accord. D'accord, Silva et Albuquerque. Albuquerque, si on le compare à Raphaël Silva, voilà. Alors, ça fait donc 0, 1-0, 1-0. 1-0 pour Albuquerque, en note moyenne. Donc, Albuquerque, ouais, d'accord. Et ensuite, le dernier, Riquelmo. Donc, après, Riquelme ou Riquelmi. Mais ça, il faut connaître les sports mécaniques. Voici Riquelmo. À quand Riquelma? Merci. Arigato. Merci. Bref, donc, trêve de conneries. 12 de vitesse. Ouais, par rapport. Ouais, d'accord. Lui, il est encore plus jeune d'un an. Ouais. Mmh. Il joue en série B, hein, quand même, ça va. C'est deuxième division brésilienne. C'est pas dégueulasse. Oh, oh, pst. On se calme, la cocotte, là. Oh. Bouh. Donc ouais, je disais, comparé à Albuquerque. Ah, Albuquerque, le fusil 3-0. Le fusil 3-0. Bon, on va mettre notre ami Albuquerque de côté. On va aller regarder pareil, hein, pareillement, mais cette fois sur des joueurs peut-être en liste des transferts ou sur la liste des prêts, des trucs comme ça. Alors, liste des prêts, par exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait emprunter? Il y a un joueur, il y en a deux, ils sont à Al Jazeera ou Al-Wassi. Bon, regardons. Le premier, Luis Enrique. Donc comparé à Albuquerque. C'est encore une victoire d'Albuquerque, deux points de moyenne à zéro. Te coucher, ma chère, s'il te plaît. Attendez, par contre, je reviens deux petites secondes. Voilà, alors voilà, c'est reparti. Alors j'en étais où moi? Ouais, donc 2.0, on garde Albuquerque. Le deuxième, Fabrizio Yann. Ah, c'est un 3-0 dans le gosier. D'accord. Bon. Du coup, ben, les listes des transferts. Ah, il n'y en a pas.
D'accord, pas de Brésilien dans le monde, enfin, Asie plus ailleurs, furtivement si je mets monde. Non. Ok. D'accord, pas de regret. Bah du coup, ouais, ok, pas trop de choix. Et sinon, dans les joueurs observés, qu'est-ce qui pourrait nous sortir, monsieur? Donc, non japonais, 3, A+. Dans le bus. Bah, je pense que j'aurai des problèmes si je fais ça. Pense que j'aurai des problèmes. je sais pas ce qu'il fout là, mais. Ah, après, on peut peut-être le sauver, hein. On l'extirpe par un bateau. Ou alors, vous savez, ce truc, la technique de. Je sais plus si ça existe pour de vrai, de la CIA ou je sais plus quoi. Vous savez que. Quand ils avaient un agent un peu emmerdé, il avait qu'à attendre un truc et il y a un avion qui passe et. Mais bon, ça déclencherait peut-être une guerre donc. Non, désolé. C'est dommage hein, parce qu'il a l'air d'avoir beaucoup de niveau footballistique hein, quand même. Hein, mais. Bon, on va éviter. Un peu de mauvais goût, je pense. Et en plus, il n'y en a pas qu'un, il y en a toute une ribambelle. Ils sont tous là. Non, voilà, c'est brésilien que je cherchais. Donc sélection, nation. Non, mais après c'est quand même rigolo, hein. C'est vrai que dans FM, c'est déjà arrivé que pas mal de joueurs nord-coréens soient des joueurs avec un peu de potentiel et tout ça, c'est déjà arrivé. Alors, brésilien, voilà. On en a deux. Bah, apparemment, ils en avaient vu deux. Il y en a un qui joue en J3, apparemment. C'est Cristiano, hein, bon pas Ronaldo hein, évidemment. Bon je pense que c'est déjà vu d'avance qu'il n'a pas le niveau, voilà. Et le dernier c'est Gustavo Coutinho. Il a des stats comme pile dans certains trucs, mais est-ce que par rapport à Albuquerque, ouais d'accord, c'est un 2-0. Bon bah je pense qu'on a trouvé notre gagnant, hein. Pour l'instant, on n'aura pas mieux, hein, donc on va aller prendre notre ami Albuquerque. Par contre, les gens déjà ceci, les gens déjà ceux-là, ça, hop, ça dégage. Alfonso aussi, Alfonso, zou. Voilà. Allez, du coup, ouais, hein. Bah, après, je pense que c'était un peu joué d'avance. Il est quand même assez bon et même plutôt très bon dans pas mal de domaines, dans quasiment toutes les stats, sauf peut-être bah penalty, oui, ouais, coup franc, mais bon après c'est le buteur, donc je pense que s'il sera là pour planter des pions. Voilà, donc en fait il sort d'une saison avec l'Atlético Mineiro quand même. Hein. Bon il a pas du tout joué, on sait pas pourquoi ils l'ont pris, mais ils l'ont pris. Donc bon bah allez, hein, on va le choisir. Allez, c'est parti, Albuquerque. On enlève ça s'il te plaît, je vois vedette. Oui, bah oui, tu vas être. Oui, buteur numéro 1, c'est sûr. Ah putain, c'est obligé ça, mais c'est pénible en plus. Vous avez vu les prix, c'est nawak. C'est pénible, hein. Ça dégage. S'en fout. Ça, 0, c'est sûr. Par contre, on peut peut-être. Voilà. De l'année. Mille. Bah, mais là on a besoin donc on va peut-être faire un effort quand même. Allez. On va tenter de faire un effort. Bah non, trop tard. On peut pas faire mieux que 43 000. Putain, on va pas l'avoir, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, putain, vas-y. On va essayer de donner des primes, hein, tant pis, hein, on s'en fout. Hein, on donne des primes. Hein, bah non, on peut pas. Ah, putain, fais chier! Non, mais je le veux, hein, donc on va le garder. Hein. On retentera notre chance plus tard, hein. On va regarder le buteur remplaçant japonais d'abord. On va regarder ça tranquillement.
parce que non, il me le faut, il est vraiment bien, donc ça serait vraiment dommage de ne pas l'avoir. Mais 72 000 aussi, quelle idée de... Enfin, c'est vraiment con quand même. 72 000. Non mais... Il réfléchit un peu ou... jeu, il fait vraiment n'importe quoi des fois. Hein. C'est ridicule. Ah, aïe, je vous jure, c'est... Bon, c'est pas totalement cuit. Hein. On peut encore retenter notre chance plus tard. On le fera, vous inquiétez pas, mais... ça fait chier quand même, ça serait dommage. Murakami. C'est trop mauvais, désolé. C'est pas ouf, hein. C'est vraiment pas ouf, hein. Ça peut largement faire l'affaire, ça. Hein. Ça fera bien l'affaire pour le sixième buteur. Ça fera l'affaire. Bon, on va suivre le dossier de près hein, pour notre ami Albuquerque. Par contre, comment ça? Quand même, hein. Pas mal. Première blessure de notre joueur Tanaka alias Fils Goofy qui vient de se blesser pour 2 à 3 mois. Première grave blessure pour le normalement petit génie de la formation deuxième saison qui vient de lourdement se blesser malheureusement. Première déconvenue. Et
faut accepter. Pour on a gagné 9-0 le match amical. Ça c'est pas le joueur que j'avais trouvé. Ouais voilà que j'avais trouvé, d'accord. Ouais. Il a un peu progressé. Il a un peu progressé. C'est bien. Et tiens, j'avais parlé tout à l'heure, je l'ai pas du tout fait. C'est de regarder un petit peu lui. Et le petit jeune qu'on avait pris pour faire le remplaçant. Du défenseur droit. Taio. Michue. Bah il a un peu évolué. Un petit peu, oui. Bon après il a fait voilà, hein, il a fait ça comme saison, donc c'est honnête. Petite progression. D'accord. Bon, y a du travail. Hein. Bah là, en première division, ils vont faire une. On va dire un step-up énorme. Hein. Ouais, bah ouais. On est censé avoir touché les sous des droits télé là. Ils sont passés où le pognon hein. Ah bah voilà, Juventus qui... Ouais bah oui bah ouais mais non mais s'il vous plaît. Eh oh eh, laissez-le moi eh, dis donc attendez. S'il te plaît. Pitié non, t'en vas pas. Je t'en supplie. Ouais, tout va se passer de traviole. Comme par hasard. Ah, on perd contre les... Ok, d'accord. Super. Lourd. Ah ouais, d'accord, on se fait voler. D'accord, merci, c'est pas grave. Refuse d'être prêté au FC Osaka. Bah tiens, merci, enculé. Hein. Tu joues en J2, mais c'est pas grave. Aïe, 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 aïe. Ça tourne mal. Explication. Tant pis, on se rabat sur celui-là, non? Vous n'allez pas quand même pouvoir garder tout le monde, si? Ils abusent quand même sur les prix, hein. Vous avez vu ça quand même, le bordel quand même? Le bordel que c'est? Après, on n'est pas obligé de le payer, hein. C'est vraiment pour avoir un joueur en plus pour la saison. Hein. Ça fait un peu cher, je suis d'accord, mais bon, après, normalement, le dernier joueur qui nous reste à vraiment mettre tout dessus, c'est Albuquerque, mais il est en train de partir. Donc bon, ça c'est pour le 6ème buteur. Non, mais ça va, vous en rajoutez encore un peu plus Non, ça va, je vous dérange pas. Trouduc. Niquez vos mamans, non, au pire. Ah ça c'est un des jeunes que j'avais pré-recruté il y a un petit bout de temps. Tu commences pas à me les briser toi. Oh oh oh, tu vas pas commencer de suite hein. Eh oh, c'est quoi ça encore?
Bon, ferme là, c'est moi qui décide. Allez, c'est bon, tu m'as saoulé. C'est pas le moment de me casser les burnes, enculé. Désolé, mais là, c'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Putain, et en plus, il a signé. Pour combien, ton salaire? Attends, attends, fais-moi rêver, fils de chien. Fais-moi rêver, sale fils de chien. Combien? D'accord. Tu me demandais combien? 72 000. 72 000. Merci, Football Manager. Très bien codé, votre jeu. Comme ça. Oh, d'accord. Je lui donnais 43 000. Alors que lui, il en voulait 72. Il signe pour, 9, pour 8 750. Y'a pas un problème dans le truc? Voilà, d'accord. Non, mais pas de soucis. Ok. Enculé. Ah non, mais ça m'énerve. Ça, c'est des mensonges. Les mensonges, y'en a marre. Non, c'est pas mieux, c'est pas mieux fait, c'est pas plus intelligent. C'est faux, faux et archi faux. Entre 40 000 et 8 750, je pense que même si c'est première division Japon, tu signes. 25 fois. Hein. Moi, avec les deux mains, les dents, le trou de balle, avec les oreilles, si vous voulez. Hein. Franchement. Honteux, honteux, honteux. Franchement. Lamentable, lamentable. Putain de jeu en bois. Putain de jeu en bois. Mais quelle honte. Mais quelle honte. Incroyable. Des incompétents de A à Z. C'est vraiment triste. Nom de Dieu. C'est vraiment triste. Ah, j'ai juré, c'est d'une tristesse. C'est d'une tristesse, les enfants. Machin, déjà, vous êtes sûr de votre coup, hein? Parce que, ok, il peut devenir un joueur correct de J1, mais il est quand même très léger. Hein, sur beaucoup de points. Hein. Oh. Il serait donc meilleur lui que lui. Tu le dis, petit con. T'as raison. Hein. Puisque l'autre, il a signé pour 8000 euros alors que je lui en proposais 40. Alors qu'il en voulait 72. Ouais. Ouais, non, bah, pourquoi pas. Hein. Plus on est un enculé, mieux c'est apparemment. Mais 9... Merde, la vitesse. Voilà. Merde, la vitesse. Merde la vitesse, j'en ai marre d'avoir des tortues. Je voudrais des joueurs qui courent, qui galopent. S'il vous plaît. Donc tant pis hein, si on n'a pas un Brésilien. Fuck hein, à un moment donné. Ah non, désolé, mais ça m'énerve. C'est n'importe quoi, c'est pas normal. On lui propose 40 doux, il préfère. Alors qu'il veut 72 000 et il signe pour 8 000 dans un club pourri. La logique, elle est où, là? Nulle part. Voilà. Voilà. Noah, il aurait dit oui pour 40 000 tout de suite. Voilà. Si le jeu était correctement fait, il aurait dit oui pour 40 000 chez nous. Ensuite, ça n'aurait pas empêché, au bout d'une saison, parce qu'il performe bien, qu'un gros club vienne le chercher pour, je sais pas, moi, il me propose 3 millions, 5 millions sur la table, et il lui propose un salaire de 100 000 ou 80 000. Ok, c'est logique, là. Mais là, non. Bah, non. Il demande 70 000, je lui propose 40, parce que c'est le maximum, et il signe pour 8 000 dans un club pourri. C'est de l'incompétence. Désolé. Enfin, c'est factuel. Incroyable. Qu'on ne sorte pas les histoires. Ouais, mais réputation. Il a signé au Juventus. Qui connaît les Juventus? Qui? Même moi, je les connais pas et pourtant, je suis un mort du tout. Hein. Voilà. Donc, voilà. Zéro. Vous êtes des zéros. Point barre. C'est tout. Vous êtes des zéros. Admettez-le. C'est triste. C'est... Ça écœure de jouer à votre jeu, des fois. Hein. C'est n'importe quoi. Hein. Ça n'a ni queue ni tête.
ça n'a aucune espèce de logique, c'est lunaire. C'est totalement lunaire. Totalement lunaire. Je ne comprends pas le délire. Le délire là-dessus, c'est ridicule. Ridicule. Allez. Bon. Maintenant que c'est dit, c'est fait, on passe à autre chose. Par exemple, lui, est-ce qu'il pourrait... Bah non, il fera pas l'affaire. Non, malheureusement, non. Voilà, et oui, c'est compliqué. C'est compliqué, en effet. Eh oui. Eh oui, Arsène. Eh oui, Arsène. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose d'autre? Sandrinho. C'est pas mal le nom. Sandrinho. Ruben Mesa. On va être 33 ans, quoi. Ruben Mesa. Après, dans une certaine logique, c'est pas stupide. Parce que c'est vrai que t'as des joueurs un peu en fin de carrière. Regardez, hein, Iniesta a fait quelques piges. Donc c'est pas illogique, mais bon, 33 ans, pas que j'aime pas les vieux joueurs, mais limite en gros il vient pour une saison quoi. C'est... Si admettons on le choisit, c'est pour une saison quoi. Un partout, ouais, même un vieux joueur comme Ruben Mesa, il fait un partout face à Albuquerque. Bon, et le dernier qui me propose, Thibaut Rambaud. Ah, c'est pas mal ça. Ah, alors là, j'aime bien le nom. Franchement, on a dû lui faire combien de fois la blague? C'est pas ma guerre, Thibaut. C'est pas ma guerre, Thibaut. Putain. Bon, alors, non, mais trêve de bêtises. Alors, notre ami Thibaut, sérieusement, hein, on regarde, hein, on sait jamais. C'est pas mal, hein, c'est pas dégueulasse. Il est plutôt grand en plus, et il a quand même 10 de vitesse, le minimum. Voyons voir par rapport au Krakito, hein, qu'on n'aura jamais, hein, évidemment, puisque la logique du jeu est une connasse. Une merde. C'est n'importe quoi. Bah non, hein. Non, il n'y aura personne qui fera jamais l'affaire par rapport à Albuquerque. Sincèrement, je vous dis, je le ferai pas, attention, hein, mais j'ai envie, de colère, franchement, je serais... Je l'aurais vu juste, tu sais, c'est genre résilier le contrat qu'il vient de signer avec ces connards, juste pour l'emmerder et le laisser au chômage, pour bien le faire chier. Pour lui faire comprendre que c'est pas normal. Mais je vais pas le faire, attention, hein, évidemment. Mais... Y a personne qui fait l'affaire, personne, non. Non, attends, réfléchissons. Allez, calmons-nous 2 secondes. Réfléchissons un petit peu. Il doit bien y avoir un moyen, une idée, quelque chose. Alors, après, les joueurs, regarde-moi, c'est les salaires dans lesquels ils proposent. C'est n'importe quoi. C'est vrai qu'il y avait lui, hein, dans les propositions à un moment donné, mais... T'es combien déjà face à Albuquerque qui se prenait? Ouais, le 3-0, ouais, le 3-0 de moyenne dans la face. D'accord. Comment ça se fait que tous ces joueurs soient en prêt, là, comme ça? C'est pas dégueulasse. Ouais, mais voilà. Non, mais c'est incroyable. C'est triste, hein, je vous le dis. Hein. C'est d'une tristesse. Toi, Shraf, qu'est-ce que ça pourrait donner face à un Bugger? Attention. Ding, 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 ding. C'est un chaos.
en 3 rounds, incroyable, il a rien pu faire. Tiens, Aldosari. Ouais, non, mais là, ça se voit de base que c'est vraiment trop léger. Par contre, il est surpayé, hein, quand même. Lui, par exemple. Ouais. Pourquoi je le trouve plus? Qui c'est que c'est là? Non mais qui... Qu'est-ce que c'est que cette blague? Pourquoi Bref. Ils sont surpayés les joueurs. C'était mon point de comparaison. Pourquoi il a disparu? Putain de merde, mais c'est quoi cette blague? Et pour rigoler, Juventus, c'est combien, quel championnat? Série B. Ah, lol, d'accord, ok. Bon, moi je peux proposer ces premières divisions. Bref. Voilà. Oui, bah non, mais c'est impossible. C'est impossible. Impossible. C'est impossible. Y a rien. Y a rien, on est dans la merde. Soit ou alors je suis obligé de me rabattre sur Cristiano, quoi. J'ai pas le choix. C'est ça ou je vais me faire cuire un œuf sur Mars. Ou alors faut que je perde du temps à regarder avec la méthode comme ça. Style classement. Brésil. U23. U22. Joue dans la réserve de Benfica. Vous voulez pas me prêter? Non mais ça va les prix un nom d'une pipe. Ah bah dis donc. Et il se mouche pas avec avec le PQ hein. Il se mouche pas avec le PQ hein, dis donc. Waouh. Henri 20. Peut-être moyen d'avoir quelque chose d'intéressant, non? Genre lui là, Elias. Et Fluminense, il va à peine sortir de l'œuf. Regardez-moi ça, non mais... Non mais oh oh oh, on veut juste vous l'emprunter. On veut pas vous le voler, hein. Vous pouvez enlever ça, hein. On veut pas vous le voler, hein. Je comprends pas, c'est le délire. C'est un délire le truc. Waouh! Non, non, mais Bon, il veut même pas le prêter, tu sais. Pour gagner du temps de jeu, non. Non. C'est allez vous faire foutre, barrez-vous de là. Barrez-vous de là, y a rien à signaler. Non, mais regardez-moi ça, les prix, c'est indécent. Ça n'a aucun sens. On veut juste vous l'emprunter. Il a un salaire de 3000 euros. On veut juste vous l'emprunter pour jouer, pour le faire jouer. En plus, en titulaire, hein. Genre, regardez, hein, je vous mets joueur vedette, hein, comme ça. Non, ils veulent des sommes indécentes. Ça aussi, c'est d'une débilité, mais profonde. Ça n'a aucun putain d'enculé de sens. Non, vous n'avez pas le droit, soit interactif, c'est... Franchement, merde, prenez des cours de codage, mince, qu'est-ce qui vous prend? C'est quoi cette affaire? Regardez-moi ça, quoi. Non, mais vous trouvez ça normal, vous? N'importe quoi.
Ça n'a aucun putain de sens. Aucun. Aucun putain de sens. Ah, c'est déjà un peu plus abordable. Et encore. Mais c'est pas vrai. Hein. C'est incroyable. Hein. Il est inconnu au bataillon, Thalys. Complètement. Ça. Voilà. Ça, c'est déjà un petit peu plus normal. Voilà. Bande de cons. Oui, bien sûr. 575, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Tu fous l'œil. Oui, c'est vrai qu'il y a. Ouais. Bah oui, c'est normal. Ah, on reconvertit buteur, c'est pas un problème. Soit ils veulent pas, soit ils demandent des trucs indécents. C'est incroyable. Quel jeu merveilleux. À un moment donné, bon. Attends une petite seconde, si on est malin. Est-ce que par rapport à l'autre, normalement, il devrait quand même lui tenir un peu la comparaison, non? Oui. Un partout, balle au centre. Vous savez quoi, j'ai une idée sous le coude.
Après, une option d'achat, on n'est pas obligé de la lever, machin chouette. 2 millions 3, on peut rendre peut-être les erreurs, parce que en faisant juste promotion, il nous a donné 4 millions. Donc si le type, c'est un putain de génie, qu'il explose et qu'il vaut, je sais pas, à la fin de la saison, 10 millions, on peut le récupérer pour 2,3. Hein. C'est acté, ça. Hein. Ça, c'est acté, c'est-à-dire que si ça, on le signe, qu'il vient, qu'il explose, ils l'ont dans le cul. Mais profond, hein, jusqu'au coude. Hein. Les deux, même. Allez, après, s'il flop, moi, je me lave les mains. Hein. Vous savez quoi? Tant pis. Hein. Pour où on en est. Vous voyez que je fais bien le... On fait bien, bon, c'est énervant, et j'ai quand même raison sur quand même quelques points, je suis désolé. Alors, pardon, hein, peut-être pour les termes qui peuvent être un peu forts, etc. Je suis d'accord, mais je suis pas le seul, et j'ai raison. Je suis désolé, mais... J'ai raison dans le fond, peut-être pas sur la forme, je suis d'accord. Pardon, hein, je suis quelqu'un qui a un peu un tempérament un peu volcanique, mais... vous pouvez pas venir oser nous raconter toutes les 5 secondes que réalisme, réalisme, réaliste, réaliste. Non, non. Quand t'as un type qui signe pour 9000 euros dans un club bidon de série B au Brésil, alors que nous on veut le faire venir au Japon en J1, championnat regardé de plus en plus sur la planète. On parle réalisme. Il aurait joué en première division pour 40 000 au lieu de 9000. Il fait une bonne grosse saison. À la fin, je sais pas, je dis au pif. L'Olympique Lyonnais vient me le chercher. Il pose 5 millions sur la table de Textor. Pof, 5 millions sur la table pour m'acheter Albuquerque. Je peux pas refuser. Il veut partir, gna gna gna, etc. Je signe. Je gagne 5 millions et lui, il passe de 49 000 à 100 000 ou plus. Ça, c'est réaliste. Ça s'appelle logique. Faire. Je veux 70 000, je te propose 40 et quelques parce que j'ai pas plus. Tu signes pour 8 000, 9 000 dans un club bidon. Non, ça s'appelle ne pas savoir coder. Voilà. Désolé, voilà. Allez, on signe, je prends. S'il est d'accord pour venir, c'est bon. Après, s'il veut pas, il veut pas. Hein. Crotte, hein. Ouais, là c'est carrément, faut que j'ai 4 joueurs formés au club, d'accord. Je fais bien de faire monter le gardien et machin chouette, hein. Lol. Je fais bien. Hein. Bon, désolé, on a perdu pas mal de temps, mais c'est ça, les transferts, je vous dis, hein. Que des fois, moi, pour la carrière numéro 1, au départ, je vous passe tout ça. C'est des fois, je passe des heures comme ça, hein, mais des heures, hein. C'est pas une blague, hein, c'est pas une légende. Hein. Donc bon. Allez, on a la... attends. Est-ce qu'on peut dire deuxième recrue? Elle est où la première? Non, 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 c'est la première recrue, hein. Oui, puisque on va compter le gardien numéro 2 comme une vraie recrue. Donc, première recrue, c'est Sakuma qui nous est prêté par le club de Kofu, qui vient de descendre. Donc, lui, il fera le boulot du sixième buteur. Hein, voilà, vous voyez, là, l'option d'achat, on s'en bat les couilles. Hein. S'il est pas bon, on le fera pas signer définitivement. On n'est pas con à ce point-là. Allez, au moins on a le sixième buteur. C'est toujours ça. C'est bon. C'est déjà une bonne nouvelle en soi. Donc on va le mettre là. Ensuite. Ouais. Non, mais ça, je suis désolé, ça m'énerve. Franchement, je suis tombé sur un truc Albuquerque, ça. Non, c'est franchement, c'est pas cool. Ça. Franchement, c'est pas bien. Franchement, c'est pas bien. C'est... Je suis pas d'accord. Faut pas oser venir me raconter des carabistouilles quand t'es pas capable d'être, justement d'être honnête et d'être réaliste, soi-disant, sur un truc très simple, quand même. Non, c'est pas bien. C'est pas honnête. Ça, je suis désolé, c'est pas bien. Faut plus venir nous dire que votre jeu est réaliste quand il y a des trucs pareils. Non, désolé. Aïe, aïe, aïe. Shindo. Ah oh, ouais, mais non, Shindo. Allez, voilà un autre problème. D'accord. Et Sasaki qui signe Yukama, deux problèmes. Allez, vas-y, on enchaîne, enculé. Aïe, 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 aïe. C'était pas prévu. Vous faites chier. Fumier.
Sasaki, on est d'accord. Hachi, Sasaki, ouais. Alors pourquoi ouais, je vous dis, hein, il note pas tout, hein, le trou duc. Hein. Voilà. Non, mais... C'est pas grave. Allez. Du balai. Bon. Bah c'était les plans de base hein, Nakayama mais lui vous savez quoi, je vais plutôt le prendre mais comme défenseur central à la place, pas défenseur gauche mais central. On va changer les plans pour lui. Bon bah, joueur vedette si tu veux mais en tant que défenseur central. Regardez-moi ça les trucs quand même, c'est n'importe quoi. Ouais, 43. Et donc en défenseur gauche, on. Ouais, mais ça, c'est trop lent. C'est trop lent. Je suis désolé. Moi, il me faut de la vitesse, hein, les enfants. Hein. C'est beaucoup trop lent, ça. Ça, c'est pas bon. Désolé, Polo, mais. Il faut que c'est de la vitesse. Hein. Tu m'étonnes. Ah, en blanc, il y a un peu de vitesse, on dirait. Mais il a l'air dégueulasse. Je suis sûr, voilà. Toutes les autres stats sont ignobles. D'accord. Lourd. 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 Alors là, c'est. Non, mais c'est. Hey, c'est du grand génie, là. C'est du très grand génie, hein. Incroyable. Ah, il met 2-0, hein, tu m'étonnes. D'accord. Non mais. Ah, après, bon bah ça fait un joueur solide pour le poste. Hein, solide pour le poste, mais c'est pas du grand talent. Hein, et malheureusement, pour l'instant. Ouais, c'est tout ce qu'il y a en stock, hein, malheureusement. Le reste, ça coûte des pépettes. Hein. Ça coûte des pépettes. C'est comme ça, ma pauvre Lucette. Y a pas mieux, hein. C'est triste, hein, mais il n'y a pas mieux, hein, pour l'instant, malheureusement. On est quand même en sceptique et sceptique, quand même. C'est ça le pire, c'est quand même le truc le plus bas. Hein. Ouais, mais... Non, c'est pas mal. Mais c'est tout. Allez, go. Non, ça aurait été con. Je reviens. T'sais. Salut, Tajnirvitz. Ça va? Là, il me regarde, c'est droit dans les yeux. Puis il me fait. Bon, la porte dans la gueule. Ah, putain. Ah, non, mais il me la claque dans mon gosier. Dans mon gosier, Joris. Carrément. Pah! Là, je repars. Avec le nez en sang. Ah, ça me fait mal. Aïe. Ah, ça fait mal les portes japonaises dans la gueule. Aïe. Aïe. Avec l'assistant. Mettez penché la tête en arrière. Aïe. Aïe. Limite, elle m'a dit. Vous attendiez à quoi? Hein? Vous accueillez avec les petits fours. Sa femme qui fait des nouilles ou des gâteaux au chocolat. Non, bah non.
Ouais, bah, pas le choix, hein. À un moment donné, faut se résigner, hein. Sinon demain matin, on est encore là, à tourner en rond comme un crétin, hein. À un moment donné, tant pis, on prend ce qu'il y a, hein. On arrête de faire la fine bouche et on prend ce qu'il y a, hein. Tant pis. Tant pis, on n'a pas le choix, hein. À un moment donné, c'est ça ou on n'a rien. Donc, on va prendre, hein. Sinon, bah, on n'aura rien. Allez, comme ça au moins on est assuré d'avoir des joueurs au moins. Voilà. On aura toujours temps derrière ensuite de faire mieux et plus. Voilà. J'ai l'impression de transfert de Kato. Ah oui, bah c'est sûr que s'il y a une longue liste de gens derrière. Bah écoutez, on va voir, hein, s'il veut bien signer chez nous. Une offre même pour Trinita pour Kato. Bah tu m'étonnes. Voilà, allez, les casse-pieds de service. Allez. Qu'est-ce que je pourrais ajouter de plus? Bah plus de ça, hein, tant pis. Voilà. Voilà, Mathias refuse de prêter au Osaka. Merde, 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 merde. Voilà, pardon, mais merde. Et remerde, voilà. Merde et remerde. Merde et remerde sont sur un bateau. Merde ton ballon, il reste qui? Merde. Merde et merde sont sur un bateau. Tu vas quand même pas me raconter que c'est le seul pélo qui reste sur Terre. Si je mets momentanément au monde, je peux pas avoir un peu plus que ça quand même. Je suis pas en transfert, hein, je m'en bats les couilles. Voilà, juste en prêt. Un peu mou du genou, mais il a une putain de finition de jeu de tête. Et l'autre machin. Ah non mais d'accord. Ah non mais oui. Non mais bon. Correct de J1 finalement. Ah tu vois, proche de son potentiel maximum, tu vois, on se serait quand même fait avoir. Et il peut pas faire plus que ça. C'est pas là, ça ah bon, il a déjà joué avec la réserve de Porto. Voilà. Très grosse finition, mais problème dans pas mal de domaines, hein. Cognade. C'est vraiment tout ce que vous avez sous la main. Il n'y a pas plus, il n'y a pas mieux. C'est vraiment le maximum de ce que vous pouviez mettre dans le sac. Fonso est meilleur. On n'avait pas quelqu'un à la base. Il a pas disparu, non? Comment il s'appelait déjà l'autre? Ah, Christianette, là. Il est passé où, Christianette? Christianette Danette. Il est où, Christianette Danette? Il est là. Limite, là, s'il pouvait raconter un truc, c'est... Alors? Alors? Vous avez trouvé votre bonheur? Hein? Non, monsieur. Alors? On fait quoi? Vous me faites chier. Ah, ouais, mais bon. Bah, ouais, mais vous me faites chier. Ah, ouais, mais bon. Ouais, bah, ouais.
Même pas les gros matchs, ouais, d'accord. Au pire, on démarre, on arrête avec cette histoire de Brésilien et on tente la nouvelle filière française, filière française. C'est un pauvre 1-0 et encore sur le mental, hein, c'est-à-dire que voilà. Il est beaucoup plus déterminé, c'est sûr, que Lukoki, mais. Lui en plus on le tirerait quand même de Football Club 93. Donc National 3, c'est ça de ce que j'ai vu? C'est ça? National Group National 3 groupe E. C'est quoi? On va tenter parce que franchement 15 en vitesse, regardez-moi quand même les stats, 15 de finition, le petit Lionel Lukoki là. Et avec le volume de jeu, oui bah après. Ah, en national, je trouve quand même obligé de payer, c'est ça? Bah tiens. J'avoue que j'aurais quand même dû y penser avant de... Ouais. C'est quoi, attendez. Ah ouais, mais il est pas intéressé, bon d'accord, ok. J'aurais quand même dû vérifier avant. Ouais, mais attends, je comprends pas. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est sûr. Ah, ça m'énerve. Dommage. Quand même, c'est ridicule. National 3 par rapport à J1 japonaise. Bref. Là aussi, encore une fois, hein, c'est quand même triste, hein, encore une fois. Il joue au Frambourg, hein. Pourquoi pas? Un partout, hein.
Ouais. Ça y est quoi, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais réfléchir tranquillement. Peut-être que je regarderai quand même en amont si je peux pas trouver autre chose. Quelqu'un. Je vais regarder. Je vais prendre le temps là tout à l'heure. Je vais regarder ça tranquillement. Écoute, on va s'arrêter là. Bon, on a eu la joie, le bonheur, machin de la montée, tout ça, etc. C'était cool, c'était beau, c'était magnifique. Là, ben, ça se complique un peu plus cette affaire. C'est le mercato d'accession en première division s'annonce plus compliqué que prévu hein, pour l'instant. Donc bon, ben écoutez, ça va être un petit peu le sel de demain. Je vais quand même regarder par acquis de conscience. Si je trouve quelqu'un, je le mets en sélection et on lancera ça tranquille demain ensemble. Voilà. Bon, bah écoutez, si le live vous a plu, en tout cas, bah merci d'avance, hein, ça fait plaisir, merci à vous d'être passé, d'avoir regardé un petit peu. J'espère vous retrouver bah, demain, évidemment, pour le dernier live de la semaine, le live de jeudi. Passez une bonne soirée, amusez-vous bien, profitez, faites ce qui vous plaît. On se retrouve demain pour la suite de nos aventures avec, donc, et bah, évidemment, la suite de la préparation de ce mercato pour l'instant de l'enfer. Hein, Ouais, non, l'histoire d'Albuquerque, ça me gonfle. C'est pas normal. C'est ouais, mais bon, après c'est le jeu, hein, comme ça, hein, on l'accepte. Écoutez, voilà. Hein, du coup, passez une bonne soirée à vous. Merci encore. Tous les réseaux sont là. N'hésitez pas et on se retrouve demain pour la suite de nos aventures, préparation et peut-être donc normalement début de la saison 3 en J1 avec toujours le FC Osaka. À demain tout le monde. Matane!